Bienvenue pour l'épisode 210 de COPS. Bah, aujourd'hui, la suite de l'épisode précédent. Bon, je vous laisse faire le résumé de l'épisode précédent. Pas grand chose satisfaisant vu la réaction du MJ. la semaine dernière, qu'est-ce qu'on a fait? On a commencé à réfléchir à comment sauver d'hypothétiques gamins potentiellement vivants au fin fond d'une... culte de mangeurs d'enfants. Hypothétique. Potentiellement existant. D'hypothétiques gamins potentiellement vivants. Bon, ouais, on va dire que c'est pas gagné. On a fait un petit repérage parfaitement illégal des lieux, parce qu'il faut pas oublier que ça se passe dans une zone franche entre le Canada... le Canada. Entre la Californie, excusez-moi, et les États-Unis. Zone franche qui ressemble plus au Far West qu'à... un quartier civilisé de Los Angeles. Et on a fait un... donc on a eu obtenu quelques informations. Et autrement, qu'est-ce qu'on a fait d'autre? On a fait une descente dans une boîte de nuit, club, whatever, avec sexuel quoi. On a fait une grande descente parce que je sais plus quelle personne voulait faire un petit nettoyage par le vide de cette zone amorale et honteuse. On a essayé de récupérer des informations en amont pour nous aider, genre trouver des passages pour sortir ou repérer les gens qu'on doit choper. Oui, mais vous avez essayé d'enquêter un petit peu dessus. Ouais, bon, histoire qu'on n'y aille pas complètement à l'aveuglette. Il n'a pas donné grand-chose. Ce qui n'a pas été une victoire de canard, pour le moins qu'on puisse dire. Sinon, voilà, puis on a fait la descente, on est tombé sur des choses très étranges. Donc l'équipe qui a été dans le sous-sol est tombée sur une cave louée à divers utilisateurs allant du trafiquant de drogue ayant besoin d'un laboratoire clandestin mais sans s'emmerder avec la logistique. Oh, c'est à peu près ça en fait. Tout n'importe quoi. Il n'y avait pas des trucs... Ah, c'est que ça. Il y avait une sortie clandestine, mais sinon il n'y avait pas... Oui, avec accessoirement une petite sortie clandestine qui donnait sur des égouts. Où des gens se sont barrés en bateau. Malgré les tentatives de snipe de Lynn. Pendant ce temps-là, l'autre équipe est allée à l'étage, où elle est tombée sur un certain nombre de chambres occupées à des actes plus ou moins chelous. Alors, je me permets de dire, de ce que j'ai compris, la semaine dernière, on a eu plus d'auditeurs sur comment s'appelle le live, et d'un autre côté, c'était le moment où il y a une descente dans un club avec des morses un peu chelous. D'y voir une corrélation, il n'y a qu'un pas. Hein. Ouais, c'est ça. Alors en fait, en réalité, j'ai regardé les stats, et c'est plutôt à partir de 22h que tous les streams reçoivent quelques viewers de plus, en fait. Donc je pense que c'est le public qui a fini de regarder son stream de millénial qui doit se coucher tôt, et qui vient chez nous, voilà. Moi je reste sur ma théorie du fait qu'on a parlé cul. Ça me paraît beaucoup plus sensé. Tout de suite. J'avoue que je suis d'accord avec Chrome. Bonjour tout le monde. Monsieur ? Toi t'essaies juste de gagner des points d'XP supplémentaires. C'est moche. Du coup, voilà. On est accessoirement tombé sur personnalité de la mairie. Un VIP. Un VIP.
en pleine séance personnelle avec une cible suspectée de meurtre dans l'enquête de Denis sur une tueuse en série qui tue des gens qui font du porno. Enfin, qui font du porno. Qui font du porno. Voilà. Et donc, on a peut-être moyen de la choper, mais pour l'instant, elle a été libérée du bâtiment et de notre emprise par le VIP en question qui a fait pression auprès de la mairie. En même temps, t'as aucune preuve. Hein. On a chopé de quoi avoir des preuves, il faut juste finir d'attendre les résultats. Voilà. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre à rajouter de la semaine dernière? Je crois pas. Non. Et donc, si, si. Ah. McClure s'est retourné devant le bronzage de Denis. Voilà. Ouais. Donc, nous sommes jeudi 5 février 2032. Il est 7h du matin. Et vous arrivez pour le roll call. Ça nous transporte de joie. Alors, ouais. Déjà, il félicite tout le monde pour la... Enfin, vous, surtout, parce que c'était vous qui étiez... Il vous félicite pour la descente. Et il tient à vous faire part des félicitations aussi des autres capitaines qui étaient présents. Est-ce qu'on a un maillot particulier? Parce que le maillot à poids, c'est le meilleur grimpeur, mais la meilleure descente, c'est quoi? Oh, putain. Putain. Oh non. Mais j'aime beaucoup. Donc, Lynn, où vous en êtes dans vos enquêtes? Faudra que je vous parle, lieutenant, rapidement pour une de mes enquêtes et pour les œufs. C'est toujours latent, on va dire. Ok. Je cherche à. Denis. J'ai peut-être un résultat. J'ai un résultat à attendre aussi sur les deux meurtres que j'avais là avec des stars du porno, donc suite à la descente d'hier en fait. Comment ça, vous avez fait des prélèvements de quoi? Pas votre. En fait, c'est Lynn qui est tombée sur. Comment tu te défausses sur Lynn? Je sais plus, bref. Non, on... Il se trouve que l'enquêteur machin truc bidule chouette a fait pas mal de prélèvements et voilà, on a une identité qui pourrait matcher avec le profil psychologique de la tueuse en série qu'on soupçonne et voilà, on va juste faire des recoupements, y a pas besoin de s'affoler. Voilà. Okay. Tout a été fait dans la légalité. Excusez-moi. Ouais, faut le dire vite, hein, putain. Max, je suis en train de revoir mes enquêtes, mais là pour l'instant, j'ai pas d'enquête en cours. Possible, hein, moi je te demande, à toi de me faire le point. Toutes mes enquêtes en cours ont été terminées. Je peux donner vos vacances, Rohan, vos vacances se sont bien passées? Oui, ça m'a fait du bien. J'ai pu observer pas mal de choses. Je me suis rapproché de la nature. C'était bien. Je suis prêt à me remettre à 200%. J'espère que vous n'avez rien fait d'illégal. Oh, certainement pas. Vous me connaissez, chef. Ok, arrêtez-le. Ah merde. Je m'en kiffe. Vous me connaissez vraiment bien, chef. Bon, blague à part, il n'a pas d'enquête à vous donner aujourd'hui. Par contre, vous avez toujours des patrouilles à faire. Si vous avez d'ailleurs des 18 à faire à vos collègues, on en fera aujourd'hui. S'il y a des endroits particuliers où il faut les envoyer, vous m'envoyez un petit message, comme d'hab. Okay. Et voilà. Et je vous laisse sur vos enquêtes respectives et vos camarades. Alors, du coup, je voudrais parler au capitaine, enfin, lieutenant. La seule. Oui. Non, il ne planifie rien de chelou, hein. Ne vous inquiétez pas, c'est juste Obi. Et sinon, nous, pendant ce temps-là, on peut aller faire un tour du côté de la machine à café. C'est okay. Bien de prendre un café ensemble. Je laisse le bot ici ou je le mets en bas avec nous? Non, on va descendre, je ramène tout. Hey.
Ouais, donc en fait, je voudrais aller voir le capitaine pour lui dire... j'ai un moyen d'avancer dans mon enquête du WP88, mais ouais. Il faut que j'adhère au Ku Klux Klan. Alors, il s'étouffe à moitié. Alors là, il va falloir, un, une explication, et deux, c'est de la politique, ça, d'une certaine façon, en fait, ça le concerne pas directement, mais ça le fait chier. Ah, bah, l'idée, c'est que, bon, c'est clairement pas mes idées, mais il se trouve que je le rappelle les faits, hein, W88, les ordinateurs volés avec la base de données des membres du clan, etc. Et qu'il y a des gens voilà qui se font blackmailer à cause de ça, et du coup ils veulent que ça soit un des leurs et du coup il faut que je devienne un des leurs. Donc il faut que j'adhère au clan. Et du coup je me demandais s'il y avait si c'était safe ou est-ce qu'il fallait que je vous prévienne éventuellement le SAD. Alors le SAD non, faut mieux pas les prévenir parce qu'ils vont juste s'en servir pour vous mettre des bâtons dans les roues. Moi oui, c'est bien que tu me préviennes parce que comme ça si des fois il y a un scandale, quelque chose qui éclate, que je sache que en gros tu fais ça undercover. En gros, ouais, prépare un certain nombre de papiers sur les opérations undercover pour en gros plus entre guillemets pour avoir une assurance pour lui, son service et pour toi aussi. Ouais. Bon, évidemment, je compte pas le crier sur tous les toits, hein, mais voilà. Il te dit, il te demande si tu mettras au courant tes collègues, enfin certains ou pas. Et si c'est le cas, de le prévenir, qui est au courant, si des fois ils doivent en parler avec quelqu'un d'autre que toi, si des fois il y a un problème. Bah pour l'instant, je dirais que non, parce que je soupçonne le Cucusan de peut-être faire une enquête sur moi au moment où je vais valider le fait d'y aller. Et donc potentiellement, s'ils sont au courant et que je voudrais pas qu'ils révèlent le pot rouge s'ils sont un peu trop alcoolisés, s'ils font une blague, sachant qu'il y a peut-être des flics qui le sont déjà probablement quelque part dans le bâtiment et qui pourraient te servir à cette enquête. Donc voilà. Ouais. Au moins il y a deux gens qui sont au courant, au mieux c'est pour être certain que ça va passer. Après, je c'est pas critique. Je veux dire, mon enquête. Une fois que j'ai les infos, je vais pas forcément traîner longtemps dans le Cucuslan, quoi. Le temps de régler cette enquête, et puis après, je m'en fous, quoi. Après, ça peut toujours être cool d'avoir une oreille à l'intérieur de cette organisation qui a quand même des tendances un peu criminelles de temps en temps, quoi. Mais voilà. Ok. Tu remplis quelques papiers, puis voilà. On repasse au-dessus, de toute façon. Ça marche. On voit tout. Voilà. Donc après à vous de me dire en termes de patrouille comment vous faites. Sachant que Thorgan n'est pas là mais va arriver un peu plus tard, donc il sera forcément avec Lynn. Donc est-ce que Wedge est avec Lynn pour la journée vu que Thorgan n'est pas encore là? À vous de voir aussi par rapport au 10-18 et autres. Hein. Allô? Ouais, je sais pas, j'attends avec les autres répondent. Moi j'avais déjà répondu en fait, mais bon. J'ai entendu, ça peut être rigolo, c'est tout ce que j'ai entendu. C'est surtout à Aline et à Denis parler, quoi. Fin... Bah oui, moi j'attends la réponse de Wedge. Hein, désolé, j'ai pas forcément entendu. J'ai le son un peu bas. Je disais, monsieur Wedge, est-ce que vous faites votre patrouille avec Lynn ou avec l'autre équipe? Sachant que Lynn, pour le moment, est tout seul vu que Thorgan n'est pas arrivé. Bah, avec Lynn. Voilà. Et du coup, on va au service des preuves et de. J'ai un stage à faire marcher. Ouais. Pour mettre en priorité les prélèvements. Pour les gens, ouais. Ben, j'ai un stage qui me permet de forcer la main du service des preuves pour qu'ils enquêtent en priorité sur mes échantillons à moi. Pour le coup, ceux de Nice. Quoi, pour voilà. Le cas de Denis. Donc du coup, je fais le forcing pour qu'il s'active le cul et qu'il me sorte les résultats rapidement. Qui fait que l'enquête va devenir top prioritaire quoi, chez eux. Ok. Ouais. Okay. Bon, tu passes un peu de temps pour les motiver, on va dire. Hein, avec non. C'est des couilles. Ok. Pendant ce temps, l'autre équipe. Je serais d'avis de patrouiller, mais de discuter dans la voiture, caméra coupée, de ce que j'avais vu. Alors, pendant mes vacances. J'imagine déjà... Vas-y, fais la scène en roleplay que tu demandes à Max de couper sa caméra, s'il te plaît.
Je veux la voir. Cette scène. Moi, ce que j'aimerais faire, c'est que tu mettes une webcam et que tu montres le signe que tu fais. Juste avec les mains, ça pourrait être très rigolo, je pense. Ouais, non, ça va être pas grand-chose. Ouais, mais bon, ça passe mal dans un podcast. Mais grosso modo, je lui fais tant mort, quoi. Un truc que tout Américain comprend. N'est-ce pas, Max? Évidemment. Dit-il en laissant sa caméra en place. En l'allumant en double. Donc, Max? Bah, écoute, oui, pas de problème. Je coupe ma caméra. Je suis un peu inquiet de cette décision. Et j'allume un micro caché. Y a forcément un food truck qui fait café et beignet. Pas sûr. Pas très loin. Donc, ouais. Bah, le temps de s'arrêter, de prendre un truc, de le ramener à la voiture et de manger avant de repartir en patrouille, histoire de justifier d'un break. Bah, dans ce cas-là, t'as juste à annoncer qu'on prend une pause. Hein. Comme ça, officiellement, on prend une pause, on peut couper les caméras tranquille et il n'y a pas de problème. Hein. Bah, justement, donc je te dis que ça serait bien de prendre une pause hors caméra pour qu'on puisse discuter. Comme ça, tu peux remettre ta caméra en route pour dire qu'on va prendre une pause. Il est 30 minutes, il est 8h, c'est 30 minutes après le roll call. Juste quand, il est sorti, quand vous êtes sorti avec la bagnole. Ouais, c'est ça, mais bon, café, quoi. Café baigné. Je suis désolé. C'est une pause syndicale reconnue sur le commissariat du COPS. Bon, de vous allez crache ta pastille. Bon, bref. Je repensais à ce que j'avais vu, notamment la bagnole des flics de Reno qui rentrait dans la congrégation religieuse du veau bio à consommer sur place. Le seul truc qu'on n'a pas, c'est sa fréquence de passage, en fait. Et à part y retourner pour essayer de voir le truc, je sais pas trop. Ou alors, il faut planquer une caméra qui enregistre longtemps ou qui se déclenche uniquement quand il y a du mouvement pour vérifier si elle passe régulièrement et quand. Et à partir de là, on pourra faire quelque chose. Mais ça veut dire qu'il faut y retourner pour planquer le truc, quoi. Sinon, on y va avec un gros coup de bol qui est il faut que la voiture soit là le moment où on arrivera ou qu'on attende qu'elle passe, quoi. C'est un peu osé, quoi, pour une opération. Ouais. Oui, c'est un peu osé, ouais. Et osé fine. Ouais, à peu près. Et je pense que vu tout ce que tu t'es pris dans le coin de la figure ces derniers temps, tu peux justifier d'une petite pause avec une journée de congé à terme exceptionnel, histoire de poser une... Donc en gros, tu m'envoies me démerder tout seul, poser une caméra au fin fond du désert pour filmer un truc sur une enquête potentiellement pas existante. C'est un bon résumé. Ouais, alors dit comme ça tout de suite, ça sent vachement chelou, hein. Mais non, c'est pas chelou, potentiellement... c'est foireux. En toute amitié. Potentiellement, je te demande éventuellement de faire en sorte que cette mission soit préparée au mieux pour avoir un max de possibilités de bonnes chances de réussite, sachant qu'il s'agit de sauver des mômes, quoi. Potentiellement. Tu sais qu'on n'a jamais, pour l'instant, confirmé que les mômes étaient là. Non, mais on a un gros faisceau de présomption. Et est-ce que je peux te rappeler que le temps joue contre nous, en fait? Oui, en même temps, je te rappelle qu'il s'est passé 3 semaines avant qu'on décide de mener l'enquête. Hein, donc le temps, il joue plus que contre nous. Il a pris de l'avance. Enfin. Là, ils essayent certainement de se faire un peu oublier après leur dernier truc de pub. Grâce à nous, mais ils vont se relancer là, donc c'est pour ça que oui, voilà. Ou alors, tu connais quelqu'un qui peut détourner des images militaires satellites pour qu'on regarde des trucs. Ça évite de se rebalader, ça nous donne des informations plus rapides. Techniquement, il y a une personne que vous connaissez qui fait ça, mais elle a fini en mon morceau. Mais ouais. Alors, techniquement, ça nous sert à rien. Tout de suite. À remplacer, Kenna est morte.
Voilà, c'est ça. Non, je suis désolé, on a quand même le contact de l'amiral, hein, peut-être qu'il peut avoir ça aussi, hein, mais bon. C'est pas dit qu'il sollicite les ressources de l'armée californienne pour, nous, pour notre gueule. Hein, mais, j'allais dire, si on avait sauvé Anna, on aurait pu lui demander un retour d'ascenseur. Je vois pas trop comment on pourrait demander le truc à l'amiral. Elle a reçu en plein gueule l'ascenseur, hein, mais... Mais si elle est morte, tu peux peut-être communiquer avec la Dame Blanche. Non, désolé, c'est vrai, ça. Excuse-moi. Dame Blanche, elle t'a dit qu'il y avait combien d'enfants exactement dans le... Max, on parle de sauver des vies, c'est sérieux. C'est pas toi qui n'as pas de nous dire que c'est super sérieux, la Dame Blanche ? Alors, la Dame Blanche, c'est comme l'homéopathie, il faut que tu y crois pour que ça marche. Et je sais que tu y crois pas, donc c'est même pas la peine d'essayer de faire quoi que ce soit. Ça, c'est pas le début de la preuve que c'est Illuminato ? Bah non, la preuve, c'est que quand moi j'y crois, ça marche. Donc c'est que voilà, quoi. Bon, de toute façon, tu détournes la conversation, là, grosso modo. Qu'est-ce que t'en penses ? Bah, je veux bien qu'on essaye de voir côté l'amiral, mais déjà, un, c'est chaud. Deux, je vois vraiment pas comment on peut présenter le truc sans qu'on se fasse défoncer et dénoncer, peut-être pas dans cet ordre-là, d'ailleurs, auprès de... Tout le monde. D'Iron Man, donc... Mais moi, je sais pas que je suis chaud comme la braise, mais pas loin, quoi. Hein. C'est-à-dire que si on y va pour sortir uniquement des rôtis et des gigots, ça m'intéresse pas trop, tu vois. Ça dépend le prix que tu la revends. Pendant ce temps... complètement faux. Bon, pendant que Max réfléchit à la question, je passe à l'étage d'épreuve. Une heure plus tard, vous avez les résultats. Ah. Un match avec les deux affaires. Oh putain. Ok, bien. Bah du coup, on va demander un mandat d'arrêt. Mm-hmm. À quel nom ? Au nom qu'on a. Et puis. Alors c'est simple, tu fais le tour rapidement du fichier des identités. Ça match avec personne. Enfin, pas avec la personne que vous avez vue. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller voir le mec de la mairie. Ouais, c'est ce que je pense, ouais. Parce que là, c'est le début de journée, il doit être à son travail. C'était juste... c'était hier... C'était ce matin dans la nuit, hein, que vous l'avez surpris. Ah. Du coup, on va peut-être aller chez lui. Ouais, peut-être qu'il est chez lui, mais bon... Alors, le deal, Denis, c'est de... Comment dire ? Faut pas l'effrayer, parce que si on lui dit que sa copine, c'est une tueuse en série... Il peut prendre peur et il peut paniquer. Idéalement, il faudrait le convaincre que elle est mêlée à une affaire basique. De drogue. Ouais, bah, j'avais pensé à de la fraude fiscale, tu vois. Ah, ça va bien avec les politiques. Ouais, je suis d'accord. Encore plus safe, tu vois, niveau vie. Et du coup, pour essayer de le convaincre de nous aider, parce que bon, au final. Juan l'a aidé à pas se faire trop salir, donc du coup voilà. Ouais, il voit un retour. Hein. Voilà. Et du coup on veut jouer sur cette corde-là pour essayer de, en gros, qu'il fasse un rendez-vous avec elle et puis qu'on la coffre à ce moment-là, quoi. Et donc on va y aller. Yes. Okay, donc vous allez voir le gars de la mairie. Donc vous allez chez lui. À la limite on passe un coup de fil à son boulot, voir s'il est chez lui. S'il est pas chez lui, on va aller chez lui. Enfin, s'il n'est pas au travail, on va chez lui. Il a pris sa journée. Ok. C'est peut-être bien d'aller vérifier s'il a toujours envie. Bah oui. Ça se trouve, il est trop tard. Tant pis. Donc vous allez chez lui, dans un beau quartier de la ville, devant la porte de la maison, du jardin. Ding dong. Allô, vous avez une voix féminine qui répond. Et, on voudrait parler à monsieur... Bidule. Je suis sa femme, il est là, il dort. Ah. Bah, c'est la police, madame. C'est très urgent. Quand elle ouvre la porte. Elle ouvre le jardin et vous allez jusqu'à la porte. Il y a sa femme et un agent de sécurité, clairement. Enfin, un vigile. Je vous regarde. Tu lui fais signe. Coucou. Non, je déconne. Il n'est pas intéressé.
Ah bah, et si moi je lui fais coucou. Allez, il est un peu plus intéressé. Tout de suite, ça prend une autre dimension. Bon. Bah, on explique que c'est une affaire importante et qu'il ne peut être que traité avec monsieur et que. Et que. Une oui, bien sûr, bah, on lui montre. Hein, Oui. Le mec, il regarde aussi les plaques et tout, il les note. Et puis, il arrive, elle va le réveiller, et puis il vient voir, oui. Pourrions-nous parler seul à seul si... L'affaire gros, il parle à l'extérieur, il est seul à l'extérieur de la maison. Ok. Attends, comment on sait ça? C'était bien la peine d'avoir réfléchi à la question avant. Ben, nous. Nous avons des soupçons à propos de votre ami. Quel ami? De quoi vous parlez? J'ai pas noté son nom. Vous vous rappelez hier soir? Il s'est rien passé hier soir. Mais oui, c'est ça. C'est... Ce qui ne s'est pas passé hier soir. Vous êtes venu me faire chanter, c'est ça? Pas du tout. Mais on a besoin d'un... Tout petit service, c'est que la personne avec qui vous étiez, nous aimerions la trouver. Voilà, c'est tout ce que on... Je peux vous demander exactement pourquoi ? Elle est un témoin clé dans une affaire importante. Genre très très importante et peut-être pas que un témoin. Si elle est témoin clé, pourquoi vous avez pas soutenu ? Pourquoi vous la contactez pas directement ? Parce qu'on sait pas où elle est. C'est juste ça, en fait. Nous, on voudrait... C'est-à-dire, elle est pas chez elle? On sait pas où c'est, parce que le nom qu'elle nous a donné est faux. Donc on soupçonne qu'elle ait fait de la fraude fiscale, voyez-vous. Cops s'occupe de fraude fiscale maintenant? On s'occupe de tout, hein. Vous savez, on doit tout faire dans ce métier. C'est pas notre service principal, mais voilà. Il se trouve que mon collègue ici de Nice a besoin de ça pour avoir une petite prime tous les mois, donc on est obligé de faire une formation de fiscaliste policier, voilà, tout ça, donc... Okay. C'est ça. C'est Adonis, il acquiesce. C'est bien. Écoutez, je sais pas où elle vit, mais je peux vous donner son numéro de téléphone. Très bien. Limite, comme ça, vous pouvez la contacter directement. Et je vous conseille fortement de ne pas la rencontrer si elle essaye d'organiser un rendez-vous avec vous, pouvez-vous nous prévenir? Car je pense que votre vie serait en danger, en fait, hein, pour être honnête. Comment ça? Je crois que c'était juste. C'est que ça mord les chiffres. C'est ça. L'argent sale a une odeur. Et je te rappelle que le mec qui est devant toi, c'est le mec qui gère le portefeuille de la mairie. Hein. Donc... Ah là, mais. Disons que dans les affaires qu'on soupçonne de fraude fiscale, il n'y a pas eu que des fraudes fiscales, voyez-vous. Il y a eu des comptables qui ont disparu. Écoutez, si vous pouvez me tenir au courant aussi. Très bien. Mais je pense qu'on va vous mettre, on va vous mettre des gardes du corps en fait. 110 ou 220. De la police. Ça vous dérange pas? J'ai déjà des gardes du corps de la mairie, mais si vous pensez que ma vie est en danger, à la limite, prévenez le service de protection. Il te donne la carte du service de protection et expliquez-leur, à la limite. C'est ce qu'on fait, hein, c'est ce qu'on fait. Et voilà. Et si vous avez contact avec elle, prévenez-nous le plus vite possible. Et bien sûr... Vous serez gentil de pas ébruiter ma relation avec. Bien entendu, c'est pour ça que... Ouais. Tu vois, brave gars, ce Denis. Mais bien entendu, merci de votre coopération et notre collègue Juan s'en souviendra et ne viendra pas vous solliciter pour quelque autre problème. Hein, sa faveur est cramée déjà. Dis donc, ça prend souvent de cramer faveur des autres comme ça. Quel enculé, putain. Écoute, le truc c'est qu'il sait pas qui c'est Juan, vous aviez des masques mec. Ouais, c'est à peu près ça donc. Le truc c'est qu'il sait pas qui vous étiez, il a vu que vous étiez cops, mais vous avez pas votre masque à la ceinture là pour le coup pour aller le voir. Donc il sait même pas que c'est vous qui avez fait la descente en fait.
C'est pour ça que... C'est pas impossible. Bah, je lui aurais dit, je pense, oui. Oui, non, mais c'était... Qu'on y était, et que du coup... Pour le coup, voilà. T'aurais pu te faire passer pour... Enfin, Denis aurait pu faire, entre guillemets, se faire passer pour Juan, que ça aurait pas changé grand-chose. Ouais, il y a une différence de gabarit, quand même. Oui, de gabarit, mais bon, je veux dire, le mec, il était en pleine descente policière, avec des mecs avec des masques partout. Oui, pas... non, d'accord, mais voilà, l'idée étant que... Comme il a peur que je le fasse, qu'on le fasse chanter, je lui dis que non, tu vois, je lui dis oui, que j'ai entendu, de toute façon, voilà. Il est coopératif, il vous donne le numéro de téléphone. Et du coup, je demande la localisation du téléphone. Bah, tu fais les trucs et pendant ce temps, je passe à l'autre équipe. Ça marche. Là, on imagine Max et Denis et Juan dans la même équipe avec Juan qui explique que c'est il faut intervenir maintenant. pas maintenant, mais demain, ça serait bien. Non, dans l'idéal, franchement, c'est le seul truc qui manque, quoi. Si on avait la fréquence de passage des policiers de Renault, on pourrait, en conséquence, embusquer la bagnole avant et se faire passer pour les flics de Renault et rentrer directement dans le truc pour faire notre opération. Pendant que on t'explique ça, Max, tu remarques en fait que le food truck là. Il y a un mec qui est rentré à l'arrière du food truck avec un couteau à la main. Tu m'écoutes quand je parle, Max ? J'ai l'impression que t'es plus intéressé par le food truck. T'as déjà bouffé un beignet et t'es en train je suis de le plus intéressé par le fait que quelqu'un va mourir à l'arrière du food truck, mais c'est pas grave. Je vais vers le food truck et je lui dis ramène tes fesses. Bah, il va couper les légumes pour les sandwichs de midi, non ? What the fuck ? Ouais, j'aime bien on va vérifier. Je le suis en mettant le masque et en disant « Enfin, Max, on ne part pas tout seul. Dois-je te rappeler qu'on a des problèmes avec des couteaux quand on est tout seul ?» C'est faux. Tu connais d'autant mieux le sujet. Donc, vous sortez de la voiture. Ce que vous voyez par la fenêtre, entre guillemets, du couteau truck, là où il sert, y a deux personnes. La personne qui vous a servi à bouffer, puis une autre personne, un couteau à la main, qui a l'air extrêmement menaçant, du genre « File-moi ton blé !» Tu prends quoi ? Tu prends la porte d'entrée et de sortie du food truck ou tu prends... Considère que vous n'êtes pas à côté du food truck non plus. Hein, vous êtes oui, on n'est pas à côté, justement, mais qui va sur la porte d'entrée et qui va sur là où tu sers, en fait ? Alors, qu'est-ce que vous faites, là ? Vous n'avez pas le temps de réfléchir non plus à la question. Bah, dans ce cas-là, je dis à Max que je prends l'entrée et je te laisse aller commander à nouveau ce que tu veux. Max ? Ben, du coup, je fais le client chiant qui fait « Eh oh, ça fait trois plombes que j'attends, vous allez nous servir, machin, tout okay. ça. » Et toi, comment ça s'appelle Juan, je vais à la partie, ouais, je fais le tour pour aller tu commences à faire le tour, toi tu interpelles le gars, le camion, le mec du camion se fait planter deux, trois fois. C'est le moment d'appeler une ambulance. Je le vois ça, moi, depuis l'extérieur. Ah oui, tu le vois, était dans la fenêtre, il l'engueulait. Toi, t'as fait « Eh oh, machin !» Et le gars, en fait, a poignardé plus rapidement le mec qui servait, quoi. Écoute... Il a commandé une salade César. Ah, mais quel coup. Ah, qu'est-ce que tu fais, Max ? Okay, la vue sur la chaîne. Je sors mon arme et je tire. Enfin, je sors mon arme et je me lasse le mec déjà et je lui dis de poser ses armes au sol, de okay. machin. Fais-moi un jet de sang-froid intimidation ou quoi, carrure intimidation. Attends. Intimidation. Comment j'ai en intimidation, moi ? Là, j'ai 9. Pas grand-chose, c'est bien ce que je me disais. Bah, en même temps, je fais pas d'intimidation, je préfère utiliser mon cerveau. Allez. Un succès. C'est raté. Ok. Juan. Oui. T'as entendu ton collègue qui a fait des sommations avec son arme à la main. Tu es à quelques mètres de la sortie du food truck. J'allais dire, je dégaine et je vais me mettre à courir vers la sortie du food truck pour y aller le plus vite possible. Ok. Sur son tour, le gars, qu'est-ce qu'il fait ? Il a entendu l'intimidation, ça a pas marché. Bah, il se barre en courant du food truck par la porte. Donc, Juan, toi, tu cours et tu vois la porte qui s'ouvre et le mec qui commence à taper le sprint. Eh bah, écoute, vu que je me suis entraîné en athlétisme ces derniers temps, j'ai mis des points en course, et je vais d'abord essayer de le courser avant de lui tirer dessus. Tu fais pas un jet de sang-froid d'abord parce qu'il a un couteau à la main quand même. Hein.
Je considère qu'il l'a pas vu pour le moment. Voilà. Non, je vais essayer de le courser. C'est... Ça pourrait être sympa, je sais, mais pour l'instant, je vais. Vas-y, fais ton jet de carrure athlétisme. T'as deux à battre. Waouh, c'est possible. Ça peut marcher, c'est possible. Si tu rates, ça, c'est une poursuite à pied. Là, c'est juste pour l'intercepter. Hein. Attends, je remets le bon truc, je repasse là, et hop. Donc, hop, 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 et deux à battre. Et ben, ça marche. Ok, tu, en gros, t'as la détente assez rapide pour monter à sa hauteur tout de suite. Qu'est-ce que tu fais? Ok, bah je vais le plaquer carrément. Hein. Je vais faire, genre, je sais pas si tu considères ça comme du corps à corps, mais si complètement. Bah voilà, donc je vais faire un joli plaquage cathédrale parce que. Ah écoute, réflexe corps à corps, trois à battre. Ok, là je pense que c'est assez facile. Corps à corps, immobilisation du coup, non? Ouais, je vais cramer un point d'adré pour passer à 4. Non, c'est d'ancienneté et d'ancienneté, c'était réussi. Oui. Hein. Oui, c'était réussi en plus. T'as pas besoin de cramer. Oui, c'est vrai, je dois être égal, donc c'est bon. Là, tu me fais... Bon, écoute, tu le bloques. Max! Oui? Ton collègue a démarré au quart de tour et a chopé le gars à la sortie. Ok. Je te dis qu'il est à terre. Tu le tiens? Enfin, tu l'as bloqué? Ouais, comment, moi j'appelle, j'appelle les secours et j'avance l'arme à la main en direction okay. de. Il fait un jet de carrure, Juan. Il se débat en plus, carrure pure. Ouais. Putain, l'enfoiré. Oh, ah, on n'a pas un chèque. C'est simple, en fait, tu le tiens et lui il se lève. What? En gros, tu l'as attrapé, mais il commence à se relever et à se mettre debout avec toi qui l'attrape comme tu. Voilà. Max? Bah moi maintenant que j'ai sorti mon arme et que j'ai fait les sommations, je peux tirer, on est d'accord. Ok. Bah écoute, on va tirer hein. La difficulté est de 2, si tu loupes ça touche Juan. What? Ah bah t'as agrippé au mec hein. Oui. Et si tu fais des dégâts plus je dirais beaucoup plus importants que sa vie, ça passe sur Juan aussi qui en termes de dégâts en fait pénétrants, hein. C'est-à-dire ça passe à travers le gars. Donc bah vas-y, fais ton jet de et tu fais les dégâts lock et dégâts. Ventre, il y a pas, donc tu me lances 4D 6. Si tu fais plus de 18, les dégâts supplémentaires sont pour Juan. C'est bon. Mais le mec, il est carrément pas mort. Ouais. Tu relances tous les 1 s'il te plaît. Ah pardon, j'avais pas vu qu'il y avait 3-1. 3-1, oui, il y a 3-1. S'il te plaît, t'as fait 4 pour l'instant. Alors me fais pas 3-6, s'il te plaît. 20. Ah bah tu prends Juan. Fais-moi de la résistance. Ça va dans ton pare-balles, hein, de toute façon. Ouais, j'ai ça passera même pas le pare-balles, a priori. Oui, ça passe pas le pare-balles. Mais par contre, tu me fais un... Comment ça s'appelle ? Tu me fais un jeu de sang-froid ou de carrure. Difficulté 1, Juan. Ouais. Bon, ben... T'es pardon. Sérieux, là? En gros, le gars s'écroule dans son sang et Juan s'écroule dans les vapes. T'as tué, mon bonhomme. Alors, déjà, première chose, j'appelle les urgences. Machin, tout ça. Ouais. Donc, en indiquant qu'il y a deux victimes, tout simplement. Pas de soucis. Je réveille mon collègue à coup de torgnole dans la gueule. Okay. Bonne claque en travers, en travers des dents, généralement, ça résout le problème. Juan, tu travailles pas pour l'instant. Oh merde. Et je vais essayer de stabiliser le mec qui est mourant. Lequel? La victime. Celui qui est dans la. Qui est dans le food truck. Le food truck fait, que tu pas été... Premier secours. Sans froid, premier. 4 succès. C'est réussi. Il a perdu pas mal de sang, mais t'arrives tant bien que mal à faire en sorte que l'hémorragie, il ne perde pas trop et l'ambulance arrive à temps. La difficulté était à 3. Hein. Juan ? Ouais, je peux en profiter pour causer avec la dame blanche dans mon état. T'es juste dans les pommes, c'est bon. Quoi. Écoute, tu te réveilles avec un souvenir d'un rêve un peu bizarre où, en gros, il y avait plein d'enfants qui étaient en train de jouer dans un parc et qui attendaient que tu viennes les sauver. Ça te va ? C'est un signe, c'est un putain de signe. Max, bordel, mais qu'est-ce que t'as ? Tu m'as tiré dessus, man !
Mais non. Alors pour le coup, tu vois sur le pare-balles, hein, y a la balle hein, dans ton pare-balles. Oui, bah oui, logé. Il était pas armé, il avait un putain de couteau. Il a pas pu tirer avec son couteau, bordel de merde, tu m'as tiré. Il a poignardé quelqu'un à plusieurs reprises et il se barrait avec son couteau. Et un officier de police. J'avais quasiment la situation en main. Note le quasiment. Que dalle, il a 30 ans de se barrer comme si t'étais pas là. C'était pour justement lui faire croire qu'il pouvait reprendre de dessus pour psychologiquement après le faire s'effondrer quand je l'aurais complètement. Alors, ouais, bah, c'est un jeu de perception pure. Ou non, perception instant flic parce que vous avez mis en instant flic. Deux succès. Garde-le en vie. Alors. Oui, c'est perception. Ouais. Garde-le en vie au lieu de dire des conneries. Le mec que tu as tiré dessus, Max, bon, il est décédé, hein, il est mort. Mais surtout, en fait, vu sa gueule, vu à quoi il ressemble, c'était un mec, clairement, qui avait besoin de pognon pour se payer sa prochaine dose. C'est facile, ça, quand même. Hein. Je veux dire... C'est super facile. C'est du délit de faciès, quand même. Hein. Non, pour le coup, alors, j'ai pas visé. C'est qu'on voit son avant-bras et qu'on voit toutes les picousses, surtout. Non, mais c'est pas parce que t'as une sale gueule que t'es drogué, hein. Je veux dire... Dans tous putain, les cas, j'en reviens pas. Je parle juste avant de sauver des mômes et tu me tires dessus, quoi. Mais genre, je t'ai empêché de te faire poignarder la dernière fois. Tu m'as reproché de pas l'avoir fait. Alors va falloir réfléchir un peu et être cohérent. Quoi, tu veux que je te remercie pour buter des gens, mais enfin, mais pour t'avoir sauvé la vie. Écoute, si tu veux que je te remercie, aide-moi à en sauver des vies, pas à les buter. Genre en posant des questions. Je suis en train d'en sauver une là, de vie. Comment revenir sur l'opération? Alors, tu permets là? Moi j'étais en train de regarder un match de tennis. Pardon. Ok. Pas compris. Mais parce qu'il y en a un qui parlait, donc qui avait la balle, qui l'a renvoyé à l'autre, et l'autre qui renvoyait la balle à l'autre. Voilà! Ouais, c'est à peu près ça. C'est normal, non? C'est du roleplay. Bon, et ça tombe bien, justement, on va pouvoir... j'ai été blessé, hein. Il faut au minimum... pas grand-chose. T'as été blessé, tu te fous de moi ou quoi? Regarde, ça va même pas traversé, quoi, sérieusement. Il y a demander un arrêt de travail, hein. Techniquement, t'as un hématome. Ah oui, voilà. Et tu rigoles, il avait arrêté 99% de la puissance, du coup. Oui, mais il a perdu son jet de résistance au choc, en fait. Ouais, c'est... Il est tombé, du coup. C'est dans la tête, tout ça. Il fait mal à la tête, aussi. Ouais, oui, mais aussi. Justement, tu penses que je peux avoir un arrêt de 48 heures? Ça me permettrait de reposer une caméra. moi, je pense que c'est possible, mais ils vont le facturer sur le salaire de Max, hein. Mais... What? Pourquoi? De toute façon, je sais pas de quoi, c'est mort. Ou à la rigueur, au pire, tu prends un coussin et tu me fous une balle dans le gras... Mais non. Mais non. Alors, il y a les deux ambulanciers qui vous regardent, genre, mais la conversation de l'espace, quoi. Non, mais je crois que je suis les gars, bougez-vous. Bougez-vous les fesses, il a besoin de vous, les gars. Pas le gars qui râle, celui que je garde en vie, là, s'il vous plaît. Ah, mais ils l'ont embarqué, hein. Oui. Ah, d'accord. Ils l'ont embarqué. Et par contre, il te demande si ton collègue est cohérent, parce qu'il n'a pas l'air. Ah voilà, non mais je pense qu'il y a un truc, je dois avoir un caillot là, clairement là, j'ai l'impression que je suis plus tellement, oula. Non, il faut pas l'écouter, il est très 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 hypochondriaque et en plus de ça, il essaie de m'arracher un service et c'est moche, c'est moche. Ok, bon bah ils sont vous le service, pas, tu vois bien. D'où le fait de regarder un match de tennis en fait. Oh, belle reprise. On continue. Je crois qu'on tient un thème là pour la soirée. Hein. Il y aura un truc sur Roland Garros dans le titre de l'épisode, c'est certain. Bah non, c'est sur les blagues sportives parce qu'il y a eu le Tour de France. On n'a pas parlé du Tour de France. Si, le maillot. Si, déjà. J'ai pas fait gaffe. Bon, c'est con, maintenant ils sont partis, ça sert plus à rien. Tu m'as tiré dessus, bordel. Cela dit, vous pouvez ramener des donuts et des cafés pour tout le monde, hein. Voilà. Pourquoi? Bon, on va pas dépouiller. Le mec, il vient de se faire tirer dessus, on va pas dépouiller son magasin en plus. Mais on va pas le dépouiller, mais c'est juste que ça va. Le temps qu'il sorte de l'hôpital, ça sera moisi, autant que ça serve à quelque chose. Mais c'est du vol! Mais c'est quoi cette équipe?
Non, moi j'ai rien proposé. Hein. Non, toi tu fais du chantage à deux balles. Quoi? Non, Lynn n'a rien proposé non plus. Hein. Ouais, alors techniquement c'est du chantage à une balle, mais. Joli, très joli. Oh la vache! Ah putain, oublie pas quand je bois, merde! Je vais m'étouffer. En même temps, c'est pas faux ce qui est. C'est vrai que ça va pourrir. Au pire, si, vas-y, ferme le camion, il y a encore les clés qui doivent être dessus, on lui apporte à l'hôpital, et puis prends deux donuts, on foutra un billet, et puis comme ça. C'est... Pendant que vous êtes en train de parler, il y a une personne qui vient vous voir. Bonjour. Je respire pas. Bonjour, citoyen. Que c'est une. Officier bonjour. O'Hara, officier. Gonzalez, oui. Oui. C'est vous qui êtes intervenu là sur. Oui. Sur la scène là. Oui, c'est nous qui sommes intervenus sur la scène. À qui avons-nous l'honneur? Officier du SAD. Donc il se présente, alors, je vais pas donner un nom, mais voilà, il se présente. Et. J'ai voulu regarder, par acquis de conscience, on a regardé vos vidéos et. C'est pas que l'arrière de vos sièges de voiture est intéressant, mais on aimerait bien savoir ce qui s'est passé. De toute façon, on était en pause donuts et mon collègue a vu une agression en cours et on a réagi au quart de tour. J'ai eu un coup de fil de votre supérieur qui m'a dit de venir voir en disant qu'il a pas pu voir ce qu'il a vu juste à l'arrière d'une voiture. L'arrière d'une voiture. J'avoue que faire aller voir des détectives qui sont en patrouille pour leur dire de mettre leur casque, ça me brise menu. Donc la prochaine fois, merci de le faire. Parce que d'habitude, on me demande rarement ça. Et j'aime pas faire remonter les bretelles des erreurs de détectives par leur supérieur. Oui, nous sommes désolés. Ça ne se reproduira plus. J'ai pas bien entendu le nanana. J'ai dit, ça ne se reproduira plus, c'est un fait certain. Je regarde mon collègue dans le nerf, genre, what? Qu'est-ce qu'il me fout? Ok. Oui. Et à titre d'info, je rappelle que vous êtes toujours sous le coup d'une enquête du SAD. Et que l'enquête n'est pas terminée, donc à votre place, je me conduirai un peu mieux. C'est une excellente remarque. Mais je vais tout sourire, oui, bien sûr. Parce que c'est pas tous les jours que les caméras sont posées à l'arrière et que les micros sont étouffés. Je suis passé derrière, j'ai vu l'arrière de votre voiture. Oui, alors c'est juste parce qu'on était en pause et qu'on n'aime pas faire du bruit en bouffant les donuts et en buvant du café, c'est tout. Vous étiez en pause quand vous avez tiré sur... Non, comme j'ai dit, mon collègue a vu que c'était en cours et on a réagi tout de suite. Et là, il regarde, il dit, mais vous êtes fait tirer dessus? Ah oui, en effet, oui, au cours de l'altercation, oui, je me suis fait tirer dessus. Yeah. La balle a traversé le suspect et a touché le pare-balles. Il vous fait un grand sourire, il vous dit, vous voyez l'importance des caméras pour résoudre une situation qui paraît très suspecte, tout d'un coup. Tout à fait. Je me retourne vers Max en disant, tu vois l'intérêt des caméras pour résoudre cette situation? Et ben voilà. Mais c'est toi qui m'as dit que tu voulais parler de tes premières règles de ta fille. Oh putain. Oui, on s'est dit que ça concernait pas le SAD, et voilà, c'est tout, on pensait juste pouvoir tranquillement discuter. Pendant ce temps, de l'autre côté de la ville, pendant que les sables mouvants sont en train d'entrer. Je vais te tuer. Règle numéro 1, quand tu veux pas raconter un mensonge, raconte. Enfin, quand tu veux détourner l'attention d'un sujet qui te fâche, raconte quelque chose qui est gênant. Alors, t'as le droit de la rajouter dans la règle, mais ce sera pas la règle numéro 1. Hein. Numéro 1 bis. Non. Pendant ce temps. Non, la règle 1, elle est trop bien. Voilà. Mais. Bah, pendant ce temps, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Nous, on va attendre. Vous avez la localisation. Ah! Bah, on va y aller. Ça prend un peu de temps. Vous faites chier pendant une bonne heure. Puis on vous file la localisation. Et donc, vous avez une adresse pas très très loin de là où habite le monsieur, dans un hôtel. Ok, bah on demande un mandat en fait. Hein. Je pense. Après, vu le profil du suspect, si elle est là, elle va pas être trop compliquée à arrêter, je pense. Mais
C'est pas le genre à nous sortir une mitrailleuse lourde et alors, des explosifs. Le mandat, Vous êtes obligé de vous déplacer au. Comment s'appelle au tribunal pour expliquer la situation parce que c'est pas. Disons que là, vous avez, comment vous avez recueilli les échantillons, ils seront pas recevables pour un tribunal. Donc, Si, dans l'absolu, si. Ouais, on va voir le flic. On va voir le flic qui était sur le prélèvement. Bah, c'est vous. Enfin, qui était sur le qui était sur le comment on appelle ça le un gars qui nous a demandé de faire l'opération. Ouais. Et si on lui demande de si vous lui expliquez la situation en gros. Ouais, et qu'en gros, on aimerait que les prélevés, ouais. il les fasse passer comme des trucs à lui, quoi, en fait. Bah, ouais, et puis vous lui expliquez de qu'est-ce qu'il en retourne derrière, en fait. Oui, bah oui. Ouais, bah en gros, il vous facilite le truc, ouais. Il y a pas de souci. C'est surtout ça, en fait, c'est parce que il y allait avoir des blocages. Mais ouais, clairement, bah il va pas récupérer l'enquête pour lui. Mais par contre, il verse à son dossier vos preuves, en fait. Ouais, bah oui, bien sûr. Ouais. Et que bon. C'est en gros le labo qui a trouvé sur sa demande. Oui. Il s'arrange avec le labo et avec vous pour que... voilà. Mais en vrai, ouais, vous avez votre mandat d'arrestation pour double meurtre, en fait. Hein, bah oui. Double et du coup, Denis, je te tends le truc et je te dis, vas-y, va faire l'arrestation. Moi, je te regarde. Quoi tout... Mais... Non, mais je suis derrière maintenant. Toi, mais voilà, non, je veux dire, c'est ton enquête, quoi, donc voilà. A priori, je pense que si elle est là, ça va être facile à arrêter, hein, donc... Oui, on verra bien. Moi, je ferais quand même... Je garderais quelqu'un qui fait le tour ou un truc comme ça. Bah, je suis là, et il y a Aria aussi, hein. C'est un motel assez classique US... Avec elle est au rez-de-chaussée. Bon, ça piole au rez-de-chaussée. T'as une porte à l'avant, une fenêtre et une fenêtre à l'arrière. Bah, ce qu'on peut faire, c'est qu'on se gare pas trop loin pour avoir une vue sur la chambre en question. Et bah, les rideaux sont tirés. Voilà. Et on va demander. Il y en a un de nous deux qui va au patron du motel voir si. Il a vu la locataire de la chambre rentrer cette nuit ou venir prendre un café ce matin, enfin n'importe quoi, tu vois, voir si elle est là ou si elle est partie. On va le faire en roleplay, ça, pour le coup. Ouais. Qui y va ? Bah, j'y vais moi, ouais. Ok. Moi je reste devant. T'es habillé comment ? Non, je vais passer une veste civile. Tu vas en civil ? Ouais, je passe une veste civile parce que sinon on sera trop cramé, quoi, en fait. Ok. Donc tu vas en civil, tu te présentes à l'accueil. Bah, du coup, on est venu en voiture en civil, du coup. Ouais, ouais. Pas de... Oui, oui. Bonjour. Bonjour. Écoutez, je suis désolé, on est complet pour ce soir. Ah non, je viens pas pour ça. Je montre ma plaque. Attends. Peut-être fais-toi passer pour un client. Ah, il est intéressé pour voir une nana et voilà. Peut-être que lui il se doute que c'est quelqu'un qui a des mœurs un peu bizarres et que du coup ça va être plus facile et comme ça il pourra pas lui passer un coup de fil pour lui dire qu'il y a la police pour elle. Donc ouais. Ok. Donc bah c'est plein ce soir. Je viens pas pour dormir en fait. Je cherche une personne qui vous voyez quoi. C'est... Non. Regarde un peu bizarrement. Bon bah non. En fait, il y a une. Je lui donne la description de la femme. Oui. Et en fait, je viens la voir elle. Je sais qu'elle est dans votre hôtel et. Je vois pas de qui vous parlez. D'accord. Ok. Faut faire attention parce que potentiellement il peut être dans le coup, tu vois. Donc. Potentiellement, si elle fait des transferts d'appels. Ah, potentiellement, lui, il peut être au courant. Qu'est-ce que tu fais, Denis, maintenant qu'il t'a dit ça ? Vous êtes sûr, hein ? Oui. Bon. Après, vous savez, les gens, ça vient, ça s'en va. Oui. Je me rappelle pas de tous les gens qui viennent ici. Hein. Peut-être qu'un petit... sur $50, quoi.
Enfin, je sors 20$ pour commencer. Alors, il regarde, bah, il les prend, il fait « Ouais, merci, c'est gentil. » Ça vous rafraîchit pas la mémoire? Regarde bizarrement, en fait. Comment ça Ah, vous pensez que j'ai des infos plus? Je pensais que c'était pour mon pour le temps perdu, en fait. Ok, bon. Merci. Donc, je me casse et puis je dis que c'est un con. Je retourne voir Aline et je fais ouais bon laisse tomber ça. Bah du coup non tu reviens pas me voir, on va directement à la porte hein. Ouais. Ok, vous êtes à la porte. Alors on peut sortir par dehors, par derrière? Vous faites le tour du bâtiment? Bah il y en a un qui reste devant, l'autre qui fait le tour derrière pour voir s'il y a une sortie. Ok. De la chambre en tout cas. Qui fait quoi? Moi, je pense que je serais sorti de la voiture et je me serais rapproché de la porte. Quand okay. Il était encore en conversation, ouais. Histoire de potentiellement écouter s'il n'y a pas un coup de téléphone qui sonne. En fait, quand tu le vois, t'entends une voix qui fait allô. Ok. Et t'entends du bruit du téléphone dans la. Ok. Bon bah du coup, à la radio, je dis, enfin je dis, elle est là, vas-y. Je défonce la porte, quoi, si je peux. Tu t'appelles comment Attends, je vais... Je pense que t'auras plus de chances de tirer sur la porte pour gagner. Hein. Ah, c'est pas faux. Mais... Non, mais sinon, du coup, j'accélère pas, et puis... Je rejoins Lynn. Et je rejoins Lynn. Ouais, bah, vas-y. Hein. Bon, je vais essayer, on sait jamais, tu vois. Carrure... Hey, j'ai un stage commando aussi, hein. J'ai un des bleus sur mon jet de carrure. Hein. Mais, Donc t'attends Denis avant de donner un coup dans la porte ou tu le donnes d'avant? Tends l'oreille jusqu'à ce que j'arrive. Ah, attends. Non, ouais, je vais tendre l'oreille. Ouais. Je vais tendre l'oreille jusqu'à ce okay. que... Fais-moi un jet de perception. La difficulté à ta 3. Je crame un point d'ancienneté. T'entends le bruit d'une fenêtre qui s'ouvre. Ok, bah du coup elle passe par derrière, je crie, elle passe par derrière, à la direction de Denis pour qu'il court, et moi j'enfonce la porte. Et tu me fais un jet de carrure? Bon, je vais essayer, après si ça marche pas je vais tirer dessus. Hein. Mais ça va, ça 3 c'est 6, 3 succès. Bah, j'attendais 4 en fait pour le coup, donc tu donnes un coup dans la porte, d'accord? Boum, eh ben, je prends un dernier pour l'ancienneté, c'est bon. Hein, ok, ça me va. Eh, attends, c'est mon enquête, je lui donne. Non, mais non. Ah, pas con. Avec mon stage. Ok, bon, ok, vas-y. Tu lui donnes, ok, tu craques la porte, en fait, tu vois la nana qui est en train de sauter par la. Qui est en train de passer la fenêtre, en fait. Pas avec une grâce féline, clairement, mais qui est en train de passer la fenêtre. Bouge pas! Denis, tu fais quoi toi? Bah moi je fais le tour du bâtiment en courant. Ok, tu me fais un jet de carrure athlétisme. 3 difficultés, t'arrives derrière le bâtiment. 4, 5, tu arrives à la portée de la nana. Donc t'arrives derrière le bâtiment, tu la... Ok, tu la vois qui est en train d'enjamber la fenêtre. Ok, Lynn, tu fais bouge pas, c'est tout? Tu dis quoi? Ah bah non, je crie mais je cours en fait, je vais essayer d'attraper en fait. Hein. Ouais. Potentiellement on est au rez-de-chaussée, donc potentiellement si je peux me lancer sur elle... En mode... Écoute, réflexe. Hein, réflexe, athlétisme. Difficulté, 3. Oh, ouais, 3, tiens. Réflexe, athlétisme, nana. Mais j'ai... un des bleus. Donc le premier dé est un des bleus, c'est un échec. Et voilà. Mes trois succès. Ouais. Et Denis, tu fais la même, je suppose? Bah, moi, j'ai juste atteint l'arrière du bâtiment. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que sur le tour suivant, tu te jettes dessus. Oui, je vais me jeter dessus, ça bah, c'est sûr. Tu me fais réflexe, bah ça va pas être réflexe. Ouais, si, allez, réflexe aussi, athlétisme. Même difficulté. Par contre, est-ce que tu peux passer sur les autres tant que je fasse une crêpe? Bah, je finis ça. T'as dit quoi comme difficulté? 3. 3, je dépense mon point d'ancienneté. Et bah, 2, vous lui sautez dessus au moment où elle a fini d'enjamber la fenêtre. Te voilà étranglé. Point, 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 point. Ce que j'allais dire. Vous avez un gros coup de fusil à pompe qui passe au-dessus de vous. Le propriétaire du motel vient de vous tirer dessus au fusil à pompe. Vous venez de sauter sur une de ses clientes. Oui, bah je vais directement le calmer et je vais faire « Cops, arrêtez-vous, là, tout de suite !» Ce que je veux dire, si tu fonçais directement pour le calmer, t'allais t'en prendre une deuxième de chevrotine. Oui, non, mais je lui gueule dessus. Je lève la c'est main bon, avec on est mon cops. Badge. Cops, okay. Police. Voilà.
Faites-moi un jet de carrure intimidation ou sang-froid intimidation. Parce que le coup d'après, c'est de Sordeline, hein. Donc oui, il va devoir se calmer. Hein. Donc, j'ai fait 3, moi. 3 aussi pour lui. Ok, bah, pas de soucis. Le mec, il se calme. Et il vous dit de pas bouger. En gros, il vous menace pour vérifier si des fois vous... Et puis il voit la plaque, puis il voit le mandat, puis il ferme sa gueule, il fait « Désolé !» C'est mieux. Putain, pour une fois qu'on serait tombé sur un mec coopératif si on lui avait dit qu'on était de la police. Ah, mais complètement, en fait, hein. Juste, tu présentais le mandat, le mec, il te donnait les clés. Hein. Ah. C'est quand même mal foutu. Ah bah, on est trop prudent. Hein. Pour le coup, oui, il avait un deal avec elle, mais il était pas prêt non plus à se sacrifier pour la nana, quoi. Couvrir quelqu'un qui a un mandat d'arrestation pour double homicide, faut avoir des bollocks, hein. Mais bon, dans tous les cas, elle est arrêtée. Pendant ce temps, de l'autre côté de la ville. Vous êtes en voiture, cette histoire avec ce camion est terminée. On a remis en place nos caméras. Et je suis quoi? Je fusille simplement du regard régulièrement. Tu as ce qui reste de la balle, tu as réussi à la sortie du gilet, hein, tu l'as dans la main. Je joue avec. Psychopathe. vois ça comme le souvenir du jour où, pour te sauver la vie, j'ai dû te blesser un tout petit peu. Et c'est moi le psychopathe. D'accord, en effet. En plus, ce qui est beau, c'est que cette phrase est complètement à double sens. Ouais. C'est bien ce que je disais. T'avais pas des enquêtes, au fait, Max, en cours? Bah, si tu veux, on peut aller regarder un hôpital à Casafin. Enfin, un immeuble Casafin. Enfin, ça fait un moment que tu l'as classé, ça. Ouais, j'allais dire, c'est pas fini, ce truc-là. Bah, techniquement, elle est pas complètement fermée. Because... Tu l'as mis en cold case? Bah, c'est surtout, on n'a pas accès, on n'a rien, et pour l'instant, on n'a pas de preuve qu'il y a un truc louche, donc on peut pas s'en servir. Quoi. C'est que elle est classée, hein, cette histoire. Hein, c'est... Bah, elle a été classée par la mairie, mais... Ah oui, par le service de la police aussi. Hein. Voilà, c'est ça. Ouais. Qui a suivi le mouvement. Mais bon. Alors... Sinon, nous patrouillons. Nous patrouillons. N'est-ce pas, Max? Nous patrouillons. Bien sûr que nous patrouillons, nous sommes des agents... Vigilants. Et déterminés. Concentrés. Vous avez rallumé vos caméras? Oui, bah oui, bien évidemment. C'est pour ça qu'on assiste sur combien on est professionnels. Voilà. Comme des gros lourds. Ah là là. Il y a un attroupement de gens, vous êtes en voiture, vous patrouillez à New Danton, pas loin de South Central, et vous voyez en fait au milieu de la route, là d'un coup, vous voyez qu'il y a des gens en fait qui s'attroupent. Quand je dis qu'ils s'attroupent, c'est-à-dire qu'ils vont vers le... C'est bizarre. Bah, surtout c'est gênant en plus. Ouais, c'est ça, tu veux pas donner une sirène histoire de s'annoncer et de... Bah, c'est toi qui conduis, du coup, fais-toi plaisir. C'est des manifestants pour Stabbing Granny? Non. Non. Bah, je vais donner un coup de sirène déjà pour annoncer que y a de la police qui arrive. Ah, il s'éloigne. Voilà, et on va s'avancer vers le point central du. Alors, c'est pas vraiment un point central, c'est surtout une espèce de traînée blanche sur la route qui est pas mal. De traînée blanche. Alors, elle va en quelle direction? Elle part de quel point? Elle commence là en fait et elle continue avant il faut goûter. À droite. C'est quoi? C'est de la poudre? Ouais, on dirait de la poudre blanche. Si je tape mon petit doigt dedans et que je hume ou je goûte. Ok, t'es shooté à la coke. Bah moi j'appelle... D'abord j'appelle... Sinon t'avais une valise hein, pour vérifier. Ah, mais c'est donc tu viens de t'envoyer de la coke dans le pif. Ok. Ouais mais non, j'ai dit que je humais mais je me prends pas un rail quoi. Hein, Ah mais je m'en fous hein. t'as, tu pouvais juste faire un prélèvement. Hein, ça me... Ok et ouais. Ouais, tu... ouais, c'est de la coke. Et putain, mais... Bah, on va appeler les uniformes, déjà. Enfin, on va appeler Centrale pour dire qu'on a un... Là où vous êtes... Tas de coke au milieu de la route, qu'on a besoin de renfort. C'est une ligne. Oui, une traînée, c'est-à-dire que ça part et ça... Sur plusieurs mètres. Ça veut dire qu'il y a une voiture qui fuit de la cocaïne, quoi. C'est l'idée. Ouais, bah...
À la rigueur, dans ce cas-là, il faudrait peut-être prévient les flics, mais nous, on va suivre la traînée. Hein, bah, on va suivre la traînée, mais clairement, bah, oui, c'est ce que je suis en train de faire. En même temps, j'ai dit que j'appelais les anges pour prévenir, demander okay. un uniforme et demander à des sergents de tenir la zone pendant que nous, on va suivre la trace. Clairement, bah, ils vous disent que bah, ils arriveront dans 5 minutes. Et les gens, en fait, au niveau de la traînée, en fait, il y en a que plusieurs qui viennent, genre avec une cuillère pour mettre dans des sacs. Pour... Bah, du coup, je compte sur Juan pour faire de l'intimidation, parce qu'apparemment, je suis pas compétent dans le domaine. On va tenter quand même. On va tenter d'intimider un peu les gens. Bah, à force d'échec, tu vas réussir un jour. Hein, mais... Allez. Parce à force que de si tu comptes sur moi pour intimider, je vais leur dire « Barrez-vous, c'est ma coke !» Mais c'est une bonne partie d'intimidation. Hein. Du coup, je vous conseille de regarder les plaques. Il y en a peut-être une colombienne. C'est probablement celle-là. C'est pas dit, non. Ils n'ont pas besoin d'une plaque colombienne. Bah, je vais épauler dans mon ami Max. Je suis désolé, mais rouler au milieu de la route en suivant la ligne blanche. Ça s'appelle rouler à la colombienne. Hein, donc. Ne touchez pas à cette poudre. C'est dangereux. C'est quoi? C'est du sang-froid intimidation? Ouais, ou carrément intimidation, ça me va aussi. Ouais, donc c'est la même chose pour moi. Et intimidation. Putain, ça fait tellement longtemps que j'ai pu utiliser intimidation. Et mieux quand même. Hein. Ouais, bah tout le monde s'en fout en fait. Ok. Bah on a dit que là, on a un problème. Il y a des rassemblements de gens qui viennent se servir, qui sont la traînée trop longue et qu'on peut pas... Tu sais que l'autre chose à faire, c'est commencer de vous de faire au mieux le temps que les renforts arrivent, mais ils seront pas là tout de suite, quoi. Tu sais que le mieux, c'est commencer à tirer en l'air. Je pense que ça va comme... Non, on va encore avoir des emmerdes. On va voir le SAD qui va débarquer dans une minute. Du coup, on aura des renforts. Bah oui, à peu près. Voilà, c'est ça. Mais surtout que si tu fais rien, là, tu vas avoir des emmerdes. Donc, ready, steady, go. On va tirer deux coups en l'air. Je te laisse que tu tires deux coups. Et ouais. tu fais un jet de tir pour vérifier si tu touches le ciel, c'est ça? Non, pas. Non, parce que c'est gratuit de tirer des coups en l'air, hein, t'as pas besoin de tirer. Oui. Justement, mais bon, si tu me dis que je touche un hélico du truc qui passait par là, non. Non, tu tires deux coups en l'air. Voilà. Et les gens se retournent vers vous regardent. Et dans ce cas-là, on leur police, répète. Dégagez de là. Voilà, c'est vous barrez maintenant. C'est une entrave à la circulation et vous êtes en train de vous mettre en danger, blablabla, trafic de drogue, mais... Et surtout, ils consomment, mais là, on peut dire qu'ils l'ont ramené, la coke, là. Moi, il me semble que je les ai vus les amener, non? Ça serait Alors, au vu de la population qu'il y a, vous n'avez toujours pas assez de menottes, hein. Ouais, mais bon, je peux en choisir quelques-uns. Ceux dont la tête ne reviennent pas. Non, mais c'est juste pour les intimider, grosso modo. Denis, Lynn, vous recevez un appel du central qui vous dit qu'il y a un problème d'attroupement lié à de la drogue et vous donne une adresse. Mmh. Oui, mais on a la tueuse avec nous, là. Ouais. Et, ouais. Et on vous dit, c'est rajouté que il faut que c'est une équipe de cops qui a absolument besoin des renforts les plus proches. Et vous étiez en train de rentrer vers le central et vous êtes pas loin vraiment de là. Une autre solution, Max, c'est je siphonne la bagnole, je verse de l'essence dessus et je la crame. Donc en gros, on vous réquisitionne pour y aller. On est un peu occupé en fait, c'est ça le problème. Et du coup, tu veux pas, tu me déposes et en fait tu la raccompagnes Je pensais plus à faire le contraire. Comme un parfait gentleman, ça aurait été mignon. Bah c'est ton enquête après, je sais pas. Ouais, mais tu peux toujours toi la mettre. Moi en fait le truc c'est que je sais gérer les foules. Ça je suis d'accord. J'ai une gestion de foule, donc tu la mets en cellule et je. Mon jet d'intimidation fait le ménage aussi. Hein. Mais, Oui non mais moi aussi quelque part. Hein. Bon, vous arrivez là où il y a vos collègues, lequel descend et lequel s'en va avec le. Je descends et. Descends et Lynn. Bah, je prends le volant du coup et puis je rentre au QG en fait. Hein. Ok. En laissant. Pas de soucis. On pourra revenir un petit peu plus tard suivant où ils en sont. Oui. Ok. Tu vois le bordel et tu vois tes deux collègues qui essaient de. Que les gens les égouttent et ça marche pas. Et en plus, ils sont en train de s'engueuler. D'accord, bon. A priori, il y a une histoire de balle. Tu comprends pas trop. Mais on n'est pas en train de s'engueuler, on est en train d'essayer de dire aux gens de se casser. Mais jusqu'au moment où t'as dit que t'allais tirer toi aussi et tu me visais. Ah, bah comment j'ai dit ça? Tu vois que tu t'engages. C'était pas ça, monsieur Crom. Toujours là pour faire plaisir. Bon, Denis, tu vois tout ça?
Ouais, bon, bref, ça, on va s'en. Je. Laissez faire les professionnels. Foire ton jet, mais juste. Juste, je me fous de ta gueule à vie. Vas-y. C'est un 5C4, parce qu'en fait, du coup, vu que c'est de la gestion de foule, je Allez, rajoute allez. un dé de plus, hein, comparé à mon sang-froid. Ok. Voilà. Ok, Ok. d'accord. Ça Tony, calme son. fout le calme dans la rue et les gens s'en vont. Merci bien, citoyen, de votre coopération. Prends-en de la graine, Max. C'est toi qui essaies de te filer le rail. Oh, c'est gratuit, hein, mais alors, Mais Attends. sinon, là, je me retourne et je fais. Et je les vois s'engueuler, là. Vas-y, continue, continue. Oh, je suis pas sûr qu'ils s'engueulent, mais au moins. Non, 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 c'était Par juste pour contre, le calme un moi, peu. je vais vers. Je suis la trace, enfin. Hein, Oui, on alors monte à maintenant, trace. Hein. est-ce que vous À pouvez. pied, en voiture? Enfin, ouais, avec la En bagnole, voiture. en Je sais voiture. pas jusqu'où ça. Denis, tu fais quoi? Parce Bah que moi, eux je deux, on demandais, rentre dans la. est-ce que Denis reste là pour gérer le truc en attendant que les renforts arrivent, qui devraient vraiment plus tarder, et nous, on va pouvoir voir jusqu'où va la trace. Ouais, je vais faire ça. Ok, bah Denis, je te fais pas de jet, hein. De toute façon, tu gères la situation. Ok, la voiture, vous suivez la trace blanche. Ouais. La trace blanche rentre dans une petite ruelle, et au bout de la ruelle, il y a un camion qui est ouvert. Avec bon ouais un bon à plusieurs kilos a priori de sucre hein, on va dire de sucre Oui, tout à et fait. surtout trois personnes armées d'AK-47 qui dont deux qui gardent l'entrée de la ruelle. Bah, du coup, La j'appelle. seconde d'après ils tirent vers vous hein. Je vous rappelle que vous êtes en voiture de patrouille hein, de mémoire Oui, hein. tout à fait. Donc ouais bah ils tirent vers vous. Vous n'êtes pas rentré dans la ruelle, vous avez juste passé la ruelle en. Ouais, Vous êtes arrêté pour voir ce qui se j'appelle le passait central. et. Ouais, c'est ça. On va redémarrer vite fait pour passer la ruelle, justement, pour pas rester dans la ligne de mire. Mais J'appelle bon. le central, du coup, pour les prévenir quand on est pris à partie, coup de feu, les dealers sont dans une ruelle, machin, blabla. Alors, une seconde, je fais le tir, s'il te plaît. Par contre, on n'a Ok. pas. On se prend des balles. Ça touche. Le garage va pas encore être content. Oh C'est putain, simple, tu non. démarres la voiture, tu fais 3 mètres de la voiture, et un, les deux pneus arrière ont crevé, et deux, tu remarques qu'il y a de la fumée qui sort de l'arrière. C'est pas possible. Ah ça y est, je suis vénère. De la fumée. Putain, Le réservoir a pris feu. je vais devoir encore expliquer à au garage que j'y suis absolument pour rien. Bah, t'y es pas pour rien, c'est toi qui t'es mis sur le chemin de tous ces dealers de drogue armés jusqu'à AK-47. C'est quoi nos voitures à nous, c'est des tractions, des propulsions. Le moteur est à l'avant ou à l'arrière? Il est à l'avant, mais c'est des propulsions, c'est des. Ouais, c'est moteur à l'avant, mais c'est des propulsions. C'est ça. Bah, Mais comme je toute bonne considère bonne qu'à marque. l'arrière, il y a le réservoir et que c'est le réservoir qui dégage de la fumée. Bah, Voire ah, des c'est pas flammes. bon signe. On sort, on se casse. Couvre, Cou justement. couvre-moi, je vais essayer de sécuriser le truc. C'est une C'est-à-dire bagnole, je que. crois. Bah, D'accord. Je vais essayer de voir si en mécanique je peux pas isoler Ok, le. tu essaies de t'occuper de la bagnole pour pas que y ait plus l'incident soit plus fort. Ok, ça Voilà, marche. c'est ça. J'essaie de comprendre. Ok. Et Max, qu'est-ce que couvre-moi, tu Max. fais? Moi, je sors et je me mets au coin pour couvrir et les empêcher de nous charger, en fait. Ok, ça me va. Donc en gros, tu te passes pas la tu passes la tête, tu passes pas la tête, tu. Je passe la tête furtivement pour jeter un coup d'œil, mais je suis Ok. pas non plus en mode je suis appuyé contre le coin en train d'attendre qu'il me shoote comme un lapin. Clairement, il y a deux mecs qui surveillent le truc. Dès que tu passes la tête, ça commence à braquer pour vers toi. Mais tu te retires vite. Ce que tu vois, en fait, c'est qu'ils sont en train d'essayer de réparer, a priori, leur véhicule, en fait. Ok, ben je transmets l'information, pareil, Ok. toujours aux anges. Et Ok. Alors, juste. c'est une ruelle à double sortie ou c'est Oui, une bien ruelle sûr. impasse? Non, il y a double. Juste. Par contre, il faut faire le tour du bloc, et c'est long. Le blanc. Denis, tu reçois l'info que tes collègues ça va être quoi, à 500 mètres se sont fait tirer dessus. Et de là, en fait, t'as entendu les coups de feu, en fait. Oui. Tu fais quoi? Les C'est le bleus, moment ils de te sont souvenir que t'es arrivés? fan de jogging. Non, ils sont pas encore arrivés. Mais Et si je tu me. remarques aussi que la traînée, elle est quand même, a priori, elle doit être sur 500 mètres, et que toi, tu tiens une rue, parmi d'autres rues où d'autres personnes sont en train de se servir, en fait. Oui, en gros, ça sert à rien, quoi. C'est pas... Ouais, à peu près. Oui et non. Tu fais ton travail en même temps. C'est mon travail.
Bah, tu peux courir dans la ligne pour les répartir, pour la, la répartir en fait, hein, pour. Oui, c'est pas faux. Pour l'éclater quoi. Du coup. Après, lave tes chaussures après. Hein. Mais. Tu shootes la ligne pour l'éparpiller au sol et t'avances vers eux tranquillement. Non, je vais courir dans la ligne en fait. Je vais clairement. Ok. Voilà. Tu cours à travers la ligne et le truc. Tu me fais un jet de coordination, difficulté 3 pour pas en avoir dans le. Oh, tout de suite. Oh, c'est pas si volatile que ça, la cocaïne. Non, c'est pour le fun. Ton masque, il a un dispositif de respiration ? Non. Bon, bah alors, tu me fais le jet. Voilà. Mais ça couvre ! Je m'en fous. Oui. Tu fais bah, on était en civil, hein, juste avant. C'est pas faux. C'est pas faux. Oui, t'as pas ton, c'est pas faux. T'as peut-être ton masque, mais tes vêtements. Mais dans tous les cas, tu me fais le jet, s'il te plaît. Hein ? Bah, t'es bien. Hein. Fou, voilà. Qu'est-ce que t'as jamais été aussi vite ? Ah. T'es pas non plus complètement défoncé, hein, mais juste. Voilà. Ouais, tu te rappelles que t'as un poids t'as en dessous de ton bras et en fait c'est ton arme. Tiens, c'est nouveau. Ça fait quoi si j'appuie là ? Ah ? Ça fait un gros bruit, d'accord. Lynn ? Oui ? T'es parti même pas depuis 2 minutes que t'as les anges qui disent à toutes les unités présentes coup de feu sur 2 cops, besoin de renfort immédiat à telle position. Oh putain. Ils sont loin ? Quand ça veut pas, ça veut pas. Hein. Bah, ils sont. Il y a 1 kilomètre maintenant depuis. 1 kilomètre, 2 kilomètres, donc t'en as pour. Ouais, mais je suis à downtown. Ouais, donc. Vas-y, je coupe ma radio. Rien à voir. C'est peut-être plus simple de ramener la personne et de venir en fait. J'y vais pas. C'est des merdes, enculés. Oui, bon, on va gérer après. Oui, non, mais. Mais bon. Non, mais. Moi, je serais venu volontiers, mais je trouve que c'est trop facile pour que l'autre elle se casse, donc non. La prudence. Ah, mais voilà. Non. En plus, une tueuse en série, c'est pas tous les jours, donc. Bah oui. Ok. Ok, retour sur le coin de mur. Si je peux, choisis des chemins qui vont passer par des tunnels. Voilà. Oh là là, ça capte pas. Ouais, alors, les tunnels à Los Angeles, c'est pas le truc le plus présent. Ah, hein. Oh, des tunnels sur l'autoroute. Ouais, bah t'es déjà en fait dans le à New Downtown, donc. Mais bon. Bah, il y repasse une deuxième fois. Juan, tu me fais ton jet de sang-froid mécanique, difficulté 3. Ok. Waouh, ça va être chaud, mais c'est faisable. 0, c'est boom. Hein. Oui, ça, je m'en doute. C'est pas comme si j'avais fait. C'est boom dans ta gueule. Hein. Ah putain. T'y arrives pas. C'est pas loin. Ouais, t'y arrives pas, clairement. T'as pas ce qu'il faut sur toi. Et surtout, c'est chaud, ça brûle. Oui, c'est ça. Donc, je vais prévenir les anges de faire venir aussi des pompiers. Parce qu'il y a un véhicule qui va flamber. Ah, mais il flambe, hein ? Alors, il y a un véhicule qui flambe. Okay. Mais là, je suis vraiment énervé. Max, ton collègue vient vers toi. Bah, je lui fais signe de rester planqué et je sors la tête pour voir ce que font les dealers. Parce qu'il faut pas qu'on les perde de vue non plus. Ils viennent de fermer l'arrière du camion. Ouais, bah ouais, je vais okay. T'en flinguer un, moi, tu vas voir. Du coup, je tente une opération d'intimidation, pour la troisième fois de la soirée, ça va être drôle. Et le but étant qu'il me tire dessus, que je sois en légitime défense pour me défendre, évidemment. Pas besoin. Ah, c'est vrai qu'ils ont déjà tiré. Ils ont tiré à la K-47. C'est pas faux. Qu'est-ce que tu veux t'exposer plus que ça, quoi. Bah, du coup, je tire sur le... les mecs, ils sont autour du véhicule ou pas? Ils sont deux à l'arrière. Dont un qui vient de fermer le haillon. Je peux tenter un truc. Je me mets à terre, je roule pour être au milieu et tirer, et je reroule pour passer de l'autre côté. Alors, c'est très con. mais on va partir du principe que tu vas faire un tir en restant planqué, entre guillemets. Ouais, c'est ça. Voilà. C'est tellement what the fuck en même temps que ça pourrait marcher, parce que les méchants, ils pourraient se dire « Mais qu'est-ce qu'il est con ? Qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce qu'il fait, ce con ?» Ça me fait penser à Band of Brothers, le mec qui décide de traverser le camp allemand, et les Allemands, ils sont tellement hallucinés qu'ils se rendent pas... Ils tirent pas, en fait. Ça, voilà, c'est ça. ok, bah du coup, moi, je tire, hein. J'essaie de... Alors, de voir si je peux immobiliser le véhicule, en fait. Alors, on va faire dans... D'abord, on va faire le tir de Juan, et après, on fait ton tir. Dans tous les cas, vous êtes en planqué, tous les deux, je suppose. Oui, parce que plutôt, on n'est pas que con. Bon, j'ai pas mis les points, mais en gros, vous mettez quoi, l'air, pompe, dites-moi. Par rapport au dé que vous avez en plus et en moins. J'arrive pas à me glisser. C'est normal, je dis, c'est pas un plan, c'est juste une image.
Moi, je me mets en prompt parce que j'essaie de choper. Ah non, c'est pas ça. T'as 4 en réflexe? Non. Enfin, si j'aurais ce qu'il faut. Moi, je pense que je. Ah, tu me diras en prompt, c'est vrai, mais tu perds trop aussi. Réfléchis, je vais parce qu'on est planqué. En planqué. Non, non, il faudrait que je reste en posé en fait. Les moins un dé aux actions physiques, c'est pour nous pour tirer quoi. Ouais, ouais c'est ça. Ouais, mais en prompt, tu prends moins 3 dés quand même. Hein. C'est chaud si tu veux essayer de les avoir. Ouais, non, oui, j'ai vu. Du coup, ouais, je mets en planqué posé. J'ai mis le tableau avec les jetons. On peut mettre... Il n'a pas attends. Ah, il n'a pas. Il n'a point et point. Bon, voilà, c'est ça. Pas... Hop. Et donc là, ça va être bim. Là. Toc. Donc moins 1 aux actions physiques et plus 3 aux actions défensives. Tout à fait. Tout à fait. Et plus 2 aux difficultés de l'adversaire. Et donc vous êtes tous les deux mis là, en planqué, posé. Ouais, on est d'accord. Ouais, ouais. Ok, donc il tire d'abord. Alors, tac. On est. Il est où? Voilà, tac. Voilà. Sachant que eux. Et vous, c'est combien de difficultés? C'est 2 pour vous toucher. Donc ils sont à 4 pour vous toucher. Excuse-moi, il n'y en a qu'un seul qui tire, parce que l'autre était en train de faire le lion. Donc, ok. Donc, il y en a un des deux qui va être touché. Donc, père Juan, impair Max. J'ai déjà été Juan, touché. Hein. Ah bah voilà, j'allais dire, j'ai déjà été touché, moi, tout à l'heure. Donc... je trouve ça injuste, parce qu'il n'a pas été touché, c'est faux. J'ai fait ce qu'il fallait pour sauver sa vie. Mais si ça se trouve, ça va être ici. En plus, le pied. Ils sont à la K47, le mec, il va m'arracher la jambe. Ça tombe bien, cette jambe en métal. Sping. C'est pas faux. Sping. Aïe. Sérieux quoi? Sérieux? Et eh ben maintenant t'as une jambe en métal et en plomb. Bah c'est un AK-47 quand même hein. Et vous étiez en tenue hein, donc vous deux hein, donc oui, vous, vous retirez l'armure. Vas-y retire ton armure et en plus sachant qu'en plus c'est ton pied c'est ta jambe droite. En gros il y a ta jambe qui dépassait, il a ajusté son tir, il a tiré. Bravo. T'inquiète, balle, un des 6 plus 6. Balle, pour le coup. Ouais, je me prends 13 points de dégâts dans la jambe. Pouaf. C'est ta jambe mécanique. Et tu me fais ton jet de carrure ou de sang-froid pour pas tomber dans les vapes. Culté est à 3. Je vais faire sang-froid, moi. Je préfère sang-froid. Wow. Ils vont vénère. Ouais, oui, bah voilà, okay. Et tous les deux énervés. Ok, vous me faites vos jets de tir. Tu poses sur celui qui tirait. Ouais, 3 succès pour moi. Pour Juan, par contre, Chouba, tu m'as dit dans les pneus, toi. Bah, j'essaie d'immobiliser le véhicule. Ouais. Ok, on va faire Juan et après on fait ton tir. Alors, vas-y, tu me fais la. Alors, sachant qu'il n'y a pas de difficulté, donc tu les touches. Tu touches le gars. Okay. Lock, donc... dégâts. Le pied droit aussi, a priori. C'est pour venger ton collègue. Exactement. Et donc, ça fait rien de plus. Donc, c'est 3d6 et c'est tout. Ouais, c'est ça. 12. Ok. Lui, par contre, il va gueuler. Comme un goré. Ouais, il gueule, mais il est pas mort et il est pas dans les vapes. Hein. Et œil pour œil, pied droit pour pied droit. Hein. Enfin, vous jouez pas dans la même catégorie en dégâts. Hein. Oui, d'accord, ok. Ok. On peut viser autre chose que le pied, ça, honnêtement. Hop là, 3 succès pour toucher le véhicule à un endroit utile. Ok, tu me fais les dégâts. On fait pas de lock sur les véhicules? Non. Non, c'est les dégâts qui. 12 points de dégâts. Je relance le 1. Oh. Bah, c'est mieux. 13 points de dégâts. C'est incontestablement mieux, effectivement. Mais ça reste un de plus. Hein. Bah, hey, ça fait deux fois mieux. Hein. Okay. C'est indiscutablement donc, supérieur. T'as tiré dans le véhicule, alors t'as pas eu les pneus, mais t'as tiré. Tu penses. T'as réussi à tirer vers l'avant dans le bloc moteur, mais tu sais pas si ça va avoir un effet. Si ça se trouve, t'as refait un trou et donc il va refaire encore une ligne, mais plus petite. Ce serait drôle. Tellement. Ok. Y en a un qui est sur leur tour, donc bon, il y en a un qui a tiré, l'autre il part vers l'avant pour rentrer dans la cabine à l'avant.
Bon, on est d'accord, Max, qu'il faut qu'on immobilise, il faut qu'on empêche le camion de repartir. Donc là, il va Bah, falloir c'est ce que je suis en vraiment. train de faire déjà. Okay, bah, alors concentre-toi sur le camion, je me concentre sur les tireurs. Ouais, bute le mec qui me tire dessus, s'il te plaît. Sachant qu'il tire encore ce tour-ci. Hein. Ouais. Tac, tac, tac. C'est là que j'ai fait. Ouais. Je vérifie que je reste constant dans mes. Ok. Il rate! Eh ben moi je pense que je vais réussir à l'avoir. Je tire sur celui qui a tiré sur C'est sur celui qui t'a Max. tiré dessus. Oh mon dieu! 4. J'entends derrière toi qu'il y a quelqu'un, c'est dans l'autre côté de la rue, il y a quelqu'un qui gueule comme quoi il s'est pris une balle a priori. Ouais, bah à un moment donné il va falloir qu'ils arrêtent d'être cons et de se mettre dans la rue à sniffer les rails de coke de gars qui ont des AK-47. Ah bah pied gauche, hein, histoire de pas faire de. Droite, gauche. Ah, j'ai connu ça, droite. Ensuite, tu feras les deux bras et après, tu choperas le torse. Allez, dégâts. Et donc, oh, c'est Relance-le un. minable. Attends, j'ai un, Relance-le ouais, un. j'ai un D6 à C'est relancer. minable, mais c'est suffisant. Il est mort, de toute façon. Ouais, Oh, ouais. Bon, ouais. bah, boum. Le gars s'effondre. Casse-poche. Max. Vas-y, fais la même chose avec le camion, Max. Trois succès, donc ça C'est passe. pas le même nombre Moins de que... points de vie, je pense. Mais Il faut au moins que tu fasses 10 de dégâts. Bon, bah, 10, voilà. attends, je relance. Voilà. Voilà, minimum. 13 de dégâts. Ok, bah ça me va, le camion en fait, bah, les mecs, tu retires dans le bloc moteur, et t'entends le bruit, tu sais, du démarreur, et Clon, clon, clon. ça démarre pas en fait. Ça va ton pied, Max? Denis, Ouais. couvert de poudre blanche, tu arrives à côté de la ruelle où il y a tes deux collègues qui tirent depuis les angles. Vous deux, vous voyez Denis couvert de poudre blanche qui fonce sur vous. Fais le tour, fais le tour, fais le tour, planque-toi. Ok. Je vais faire le tour. Vous inquiétez pas, il T'as peut rien entendu les arriver. coups de feu, donc je pense que tu te doutes que ça pue un peu quand même. Il est couvert de poudre blanche, je dois te le rappeler. Du talc. Pardon. Oui, c'est parce qu'il a la peau sensible, ce brave. Ce brave Denis. Denis, tu fais le tour, ça te prendra encore un tour pour être Oui, en tout position. fait. Ok, tour suivant. Ils font un tir de barrage vers l'arrière de la ruelle. Il faut au moins 5 de sang-froid pour passer le tir de barrage. J'ai 5 de sang-froid. Non, mais quand je dis 5, c'est faire 5 réussites. Oh, tout de suite, tu t'arrêtes à des points de détail. Bah, je passerai de mal le barrage. Hein. Ça va être compliqué pour moi. Après, c'est se mettre sous le feu d'une AK-47 qui vide son chargeur. Hein. C'est pas Ouais, non. forcément la meilleure idée du monde. Hein. Tout à fait. On va le laisser. Moi, je pense qu'on va S'amuser. gueuler à la cantonade de se planquer, les gens. Tu veux dire que ça fait 15 secondes qu'ils entendent des coups de feu d'AK-47 quasi ininterrompus et sont encore en train de sortir pour voir ce qui se passe. Bah oui, Ah, tu bienvenue à Los connais Angeles. voilà, Los Angeles, les gens qui sortent pour essayer de prendre un selfie ou de faire une vidéo pour l'envoyer après en En disant fait, ah vous putain, dites c'était ça, mais chaud. vous voyez qu'en fait, en effet, ouais, il y a plusieurs personnes qui, certes, ne sont pas face à la ruelle, mais vous êtes actuellement, il y a plusieurs personnes qui sont quoi, à 3-4 mètres, qui sont avec leur téléphone en train de vous filmer. Denis, tu peux. Non, il fait le tour. Je peux Bah pas tout faire. Lille. je vais leur gueuler de se barrer. Je vais essayer de Alors, les Lille. intimider pour Oui. les faire Ah, qu'ils se t'arrives barrent. au central. Ouais. Tu déposes. Bah, j'essaie de le faire au plus vite en fait pour la Ouais. mettre Mais tu pour. déposes ta prisonnière, la prisonnière et Ouais. tout, en disant le truc. Mais surtout, en fait, tu vois sur un écran, en fait, à l'étage du COPS, il y a un direct, en fait, où en fait, c'est des images en direct d'Internet où tu vois Denis qui court dans de la poudre blanche, qui est couvert de poudre blanche, et. Avec la musique du professionnel en fond. Ouais, c'est un peu ça, en fait. Il y a plusieurs gens qui sont en train de faire ça, et c'est marqué Intervention du COPS à New Danton. Et il y a Iron Man qui est en train de ronger son frein. Eh ben écoute, hein, faut savoir ce qu'on veut, hein. On arrête une enquête criminelle Oui, non, ou pas. Hein? mais... Et ça fait Bah... un point dans les statistiques, cette nana. Ouais, donc... Oui, mais non, mais c'est un point contre double, hein, parce qu'elle a tué deux meurtres, elle a fait deux meurtres, hein, elle a deux faits divers sur War elle. contre triple. Allez, War contre triple. Peut-être, on sait jamais, on verra. Mais du coup, bah, je la dépose hein, vite fait, je signe deux trois papiers pour officialiser le Oui. truc,
Et après, je repars en courant récupérer la bagnole pour aller... aller voir ce qu'ils font. Ouais. Moi, je pense que t'es petit joueur, parce que t'aurais pu toucher deux mois à Iron Man en disant si je... quand je pense qu'on était à deux doigts de revaloriser les salaires des fonctionnaires du COPS, justement, on aurait pu voir plus de personnes sur le terrain pour empêcher ce genre de choses. Ah, je pense pas que Lynn soit suicidaire. Non, non, c'est certain qu'Iron Man l'aurait très bien pris. Oui. Moi, en tout cas, je dirais que je ne l'ai pas... Je n'ai pas enfreint la règle numéro 1 du COPS, puisque je l'ai laissé avec deux autres. Hein ? Voilà. C'est pas faux. C'est pas faux. Donc après... Mais tu l'as laissé avec deux autres alors qu'il est complètement shooté, quoi. Mais, au moment où je l'ai laissé, il ne l'était pas. Hein. Pendant ce temps, sur le terrain. Alors, Denis, tu vois tes collègues qui ont des pistolets à bulles, qui tirent des pistolets à bulles et ça non, fait non, des fleurs partout. Non, il est sous coke, il plane pas, il est à fond, il a deux, il peut se prendre 18 balles sans tomber, tu vois. Je considère que là, Denis, t'as un point de carrure en plus, hein, pour le coup. Ah, yes! Non, ouais, je crois que t'as un point de carrure. Je suis à fond! C'est ça le. Par contre, t'as deux points de sang-froid en moins. Ouais, je suis à fond! Zéro contrôle, le mec. C'est complètement ça. Je pense qu'on est mal barré, mais bon. Denis! Ce que tu vois, toi, c'est tu arrives dans la rue qui donne sur la rue principale où il y a la ruelle qui débouche, et tu vois en fait trois mecs qui sortent, dont un qui finit de tirer à la K-47 dans la ruelle et qui se barre en courant en fait vers les transports en commun en fait. Je lui fonce dessus. Lequel ? Ils sont trois. Celui qui recharge. Ok, ça me va. Tu me fais un jet de carrure athlétisme. C'est prudent quand même, hein, d'attaquer celui qui recharge. Ouais, c'est toi, oui. C'est bien. 5. Tu passes devant. Coucou. Ton fa. C'est tellement surréaliste que je ne peux vraiment pas comprendre ce qui se passe. Le mec, il se retourne, il se trouve face à un cops couvert de coke et qu'il en fait coucou, quoi. Fa, s'il te plaît. C'est sûr, je crois qu'il s'attendait sauf à coucou. Ok, c'est réussi. Tu lui mets un gros coup de ton fa. Tu me fais la localisation, les dégâts, s'il te plaît. Un dé de plus. Hein. Non, mais j'ai fait la lock, c'est une tête. Ah, j'ai vu. Ah ouais, je suis à fond, là. Alors déjà, tu vois, t'annonces que tu frappes au cou. Deux fois en plus, tu dis coucou. Et en fait, tu fais une fois la tête. En fait, tu l'as complètement perturbé. Vas-y. En même temps, t'avais prévenu. Lance-moi ton D6 plus ta force. Enfin, t'es 4 D6 plus ta force. Merde, il me manque un point de dégâts. Non, non, il y a pas, il te manque pas. Ouais, il te manque un dé, mais... Non, ouais, non, non. Non, 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 non. Il me manque un point de dégâts parce que j'ai plus ça en force. Oui, bah ce qui se passe, c'est simple, t'arrives à hauteur du gars avec ton tonfa et tu tapes dans la nuque. Et là, t'entends un gros crack. Oh, on va encore avoir des problèmes avec le SAD. On va encore avoir des problèmes. Non, mais on peut pas avoir deux fois le problème avec le SAD dans la même journée, c'est pas possible. Eh ben si. Oh merde, non. Non. Bon, par contre, vous avez vos caméras là, c'est bon. Ouais, mais bon. Et on est de l'autre côté de la rue par rapport à là où ça se passe, ça nous donne une légitime. Là, vous remontez la rue de toute façon, vu qu'ils se sont barrés de la rue, donc vous remontez, je suppose. Je vais te laisser remonter la rue en clopinant, vu que t'as le pied un peu touché, mais moi, je vais essayer moi de mettre en mode jogging pour remonter le plus vite. Je doute bien que s'ils tirent plus, c'est qu'ils se sont barrés, donc il faut essayer de les. Bah, en fait, ce qui se passe, de toute façon, vous remontez pour essayer de les choper. Denis, toi, tu restes quand même assez choqué de ce qui vient de se passer, hein, parce que tu viens quand même de le tuer net, il quoi. C'est l'idée. Il bouge plus. Mais il bouge plus. Max. Oui. Tu vois Denis. Il bouge plus. C'est même pas. Il bouge plus. Tu vois Denis qui tient le gars et la tête du gars. Clairement, il y a plus rien qui la tient en soi. Il manque un os. Quoi, <t'es pas. rire> Oh merde! Fonce! Non mais c'est surtout ce que tu vois, c'est les gens autour avec leur putain de téléphone! Aïe! Non mais je suis couvert de... J'ai de la légitime défense, entre guillemets.
Ouais, alors... Alors la légitime défense excuse pas le fait que tu viendrais du rembouiller une vertèbre avec toute la moelle épinière qu'il y avait dedans, quand même. Ouais, et le coucou qui était juste avant a malheureusement un peu... comment dire ? Alors, avec un bon avocat, on peut déterminer que coucou, c'était la... une... Alors, je me... Médication ! Rouba, qu'est-ce que tu fais ? Bah, moi, je hurle à mon collègue de foncer parce que Denis est en danger et je vise un des mecs avec les AK-47 pour voir mais en fait, tu sais pas où ils sont. En fait, tu vois qu'il y a une foule et qui se masse en fait autour de vous et tu as pas de vision sur les gens, les mecs qui se sont barrés dans la foule. Oh putain, bah j'essaie d'avancer dans la foule pour essayer de voir vers où ils peuvent aller parce que. À quoi ils ressemblent ? J'en ai vu quelques-uns quand même. Oui, les deux que t'as vus. Ils sont tous les deux morts. Ils sont séchés en fait. C'est ça. Bah, j'appelle le central du coup pour prévenir que j'ai besoin de gens pour contrôler la foule et. Les deux mecs se sont enfuis en fait. Ils te demandent le signalement. Bah, malheureusement, on sait qu'il y a deux personnes, mais on n'a pas eu l'occasion de. Ils ont deux AK-47. Et ils ont armé des cacs en tête. Pour ou si ils ont pas acheté, mais. Oui, s'ils en avaient à l'avant, des deux conducteurs. Alors, Denis, tu poses le tonfa, tu t'assieds, et on va discuter. Ok. Mais. Je suis à fond ! Vos brigands, là, ils étaient plutôt latinos, plutôt noirs ? J'ai pas fait de description, et pour le coup, c'était. On les a pas vus, ils étaient trop loin. En plus, quand on s'est reçu à la K47, c'est pas le genre de truc. C'est du caucasien. C'est pas le genre de truc que tu. Par contre, à l'arrière du camion. Bah, on va. Non, par contre, on essaie de contrôler le camion, du coup. Enfin, on garde tout le monde loin. Il y a des enfants accrochés à un crochet de boucher. Voilà. Cette boucle. Absolument pas. Occupe-toi du camion. De toute façon, le problème, c'est que. M'occuper du camion, tout ça, ça va pas être possible. Il y a trop de foule, je pense. Enfin, alors, je répète, les autres flics sont arrivés et prennent en main la foule. Okay. Super, je m'occupe de Denis et je vais même le remettre dans la ruelle pour éviter qu'il soit bombardé de vidéos, quoi que ce soit. Ok, oui, de toute façon, il y a un périmètre de sécurité maintenant, pas de soucis. À l'arrière du camion, 5 tonnes de cocaïne. Ah ouais, carrément. Avec tout ce qu'ils ont perdu en plus, mais ils devaient en avoir quoi, 10? Bah, ils ont perdu quelques dizaines de kilos, là, ils ont pas perdu une tonne. Enfin, la réunion, elle fait pas un mètre de large non plus. Oh, elle fait son bon petit tas quand même. Hein. Mais bon, en gros, il y avait comme une fuite. Oh, ils ont perdu 200-300 kilos, mais bon, sur 5 tonnes, ça te laisse quand même de la marge, quoi. Mais comment ils ont réussi à avoir un trou là-dedans qu'ils ont tiré au hasard dedans? C'est une bonne question, on va vérifier. A priori, de ce que tu vois, en fait, il y a dû avoir un choc en fait sur le côté du camion et ça fuyait sur le côté. Ah, ils ont tapé sur une bagnole et puis tapé sur autre chose, n'importe quoi, et puis boum, quoi. Lynn, t'arrives sur la scène. Ouais. Tu vois le camion ouvert avec les pains de coke alignés. Ok. ok. C'est beau. Et je vais voir Denis, du coup. Je suis à fond. Tu te calmes. Ça ira. J'appelle le dispatch en demandant une ambulance pour Denis aussi. Tu vois Denis en fait qui est à l'arrière d'une ambulance et le mec qui est en train d'essayer de le calmer un peu parce qu'il est. Tu vois aussi qu'ils lui ont retiré sa ceinture, son tonfa et ses armes. Mais il est à fond. Oui, c'est à fond. Voilà. Écoute, on va dire que tu vas rester à fond, mais attaché à la civière. Tu verras, c'est encore plus à fond. Bah, je vais essayer d'arracher la sangle. Je mets Lynn au courant que, a priori, la scène où Denis a légèrement fait basculer la tête. Alors, pour le coup, t'as suivi tout sur ton écran dans la voiture. Voilà. T'as des écrans, t'as pu la voir en direct ou l'entendre à la radio. Alors maintenant, je tiens quand même à préciser qu'avec un très bon avocat, coucou, ça peut être pris en compte comme une sommation. Hein. Ouais, va falloir un putain d'as du barreau quand même. Je signale aussi que il avait un AK-47, l'autre avec un tonfa. Hein. C'est comme grosso modo, il avait un Smith & Wesson et il l'a dressé avec une cuillère et l'a tué avec la cuillère. C'est faux, votre honneur, il n'avait pas qu'un tonfa, il avait un tonfa et 300 grammes de coke dans les veines. À l'insu de son plein gré. C'est une drogue de combat qui est totalement autorisée en Californie, la cocaïne. En plus. C'est pas faux. Mais pendant les heures de trash, je suis pas sûr.
Alors c'est peut-être pas dans le règlement de l'EPD, pas... ça je suis d'accord, oui, ça, mais... Bon, dans tous les cas, au moment où tu essaies de ronger ton truc, Denis, tu fais un gros dodo. Hein. Tu n'as pas le temps de sortir la piqûre de l'infirmier parce que il commence à en avoir un peu plein le cul. Oh, ah oui. Benny. C'est-à-dire que c'est dangereux quand même de transporter en ambulance. Hein. Si t'étais pas d'accord... c'est l'idée. Et je pense qu'il t'en fait deux ou trois de piqûres avant que tu comprennes que tu dors. Grosso modo, on a d'abord fait une piqûre pour assommer un cheval, mais ça marchait pas. On a essayé le rhinocéros, après ça marchait toujours pas. Et essaye de prendre en contact le mec de l'ambulance, parce que comme ça, il peut peut-être falsifier tes... Alors pas ce coup-ci, mais à l'avenir. Ça va de pair avec la carte de fidélité. Ouais, mais c'est pas mal ouais. d'avoir des médics qui sont pour nous un peu, parce que du coup... Normalement, Torgen avait bien monté son médecin, sa copie. Ouais, mais il a peut-être pensé à des médecins, il a pas pensé aux techniciens, tu vois, le mec qui porte, quoi. Ok. Yeah. Bon. Bah, clairement, qu'est-ce que vous faites? J'essaie de relever des empreintes et des choses comme ça sur le véhicule. Mm-hmm. Il va falloir déjà que je prévienne la mécanique, enfin le garage, qu'il y a une bagnole qui est en train de flamber. Ah, ils le savent déjà, hein. Ouais, et que je suis désolé, mais j'y dis pour rien. Là. À ça, j'ai envie de te dire, ils vont répondre parce que les fois précédentes, ils étaient pour quelque chose ? Alors, non, mais ça fait quand même un certain temps que je me suis calmé, les gens. C'est bon, ça va. Ouais. Mettez pas tout sur le dos. Mais est-ce que, comme moi, tu les mets sur ton casque, le nom de bagnole que t'as cramé ? Ouais, exactement, je vais faire ça. Moi, c'est pas des victimes, c'est des bagnoles qui sont tuées en... Ça serait pas mal que ça soit les bagnoles des ennemis, pas les tiennes. Oui, mais bon, bah, je suis désolé, les amis tirent sur la bagnole sur laquelle on est. Ils tirent rarement sur leur propre bagnole. Ok. Chouba, tu fais les prélèvements. Assez rapidement, en fait... Ah ben, je suis pas certain, parce qu'il boite, en fait, le BPR, là, non ? Non, mais justement, j'y viens. Assez rapidement, de toute façon, il y a des flics en fait de la lutte anti-drogue qui vous disent qu'en fait c'est ils récupèrent pour eux. En fait, c'est eux qui vont enquêter. Ah non, je vais faire baline. Hein. Je suis désolé, ça c'est mon truc. Et à côté moi. De ça, non, après, t'as des mecs de l'Hydra qui arrivent. Non, c'est nous, c'est anti-drogue de l'Hydra qui doivent enquêter. Merde, je parie que c'est une des plus grosses prises qu'on ait faites sur le... Ah bah, en plein nous d'une tonne, ouais, un peu, ouais. Ouais, 5 tonnes, ouais, c'est pas toutes les semaines quand tu trouves ça, quand même, je pense. C'est pas comme si la coke coulait à flot dans les rues de New Dalton, quoi. À mon avis, le camion, il allait... Maintenant, si. Le camion, il allait ravitailler un hôtel où il y a plein de politiciens, hein, voilà. Comme ça, tous les partis pouvaient se nourrir et tout, c'était bien. Ou alors, ouais. C'est une salle de marché, peut-être. Dans tous les cas... Une salle de marché de 10 tonnes en journée, non ? Les deux services d'antidrogue sont en train de se disputer la paternité de l'affaire avec vous et entre eux. En même temps, le COPS, il peut prendre toutes les enquêtes qu'il veut, donc le service interne de la police se quitte, quoi. Si on veut des ouais, décider alors, de faire chier, en fait. Je te rappelle qu'il faut que d'abord que tu passes par ton supérieur et voir ce qu'il en pense. Alors, peut-être pas sur l'Hydra non plus, hein. Non, sur l'Hydra, non. Par contre, sur l'Hydra, c'est mort. Mais bon. Allez, posez vos couilles sur la table. Prenez l'enquête. Hein. Ah, mais clairement, attends. Merde, on s'est fait tirer dessus. On en a chié comme c'est pas les trucs. On va pas les refiler en disant c'est bon, maintenant, démerdez-vous. Lequel enquête officiellement. Bah, Max, t'as pris les dégâts. Bah, moi, je fais moi l'enquête, en fait. Voilà. Max. Mais pour le coup, par contre, je propose que si, vu les circonstances, on prend l'enquête à titre officiel, ça soit une coopération afin que chacun... Ils t'envoient tous te faire foutre. Ok, tant pis. Pour le coup, les deux enquêteurs des deux organismes te disent « Tu vas te planter et tu n'as pas les compétences, tu n'as rien à le faire, t'as pas à le prendre en tant que COPS, tu devrais laisser ça aux professionnels. » Oui, sachant que les professionnels sont en train de s'étriper l'un l'autre. Donc, c'est l'idée.
Là, je repasse une deuxième couche, hein, parce que grosso modo, c'est à cause de vous qu'on l'apprend, parce qu'apparemment, alors, vous n'êtes pas capable de bosser dans ensemble. La ruelle, en gros, vous engueulez avec eux, et eux, ils s'engueulent entre eux aussi. Donc, c'est folklore. Après, vous êtes les premiers arrivés, et vous êtes cops, donc vous avez de toute façon la priorité. On est les premiers à s'être fait tirer dessus dans l'affaire, quand même. On a préséance sur les impacts. clairement, en gros, sur cette enquête, les deux services vont vous mettre des bâtons dans les roues. Juste pour vous plantiez. Génial. Pourtant, l'Hydra, on était potes, je croyais. Ah, c'est oui, mais là, c'est pour le coup, c'est pas l'Hydra, c'est la police des frontières qui ne dépend pas de l'Hydra, mais aussi du. C'est pas le LAPD, mais c'est la police entre guillemets nationale. Enfin, je sais plus. Je sais qu'il y a deux organismes. C'est l'autre, quoi. Ouais, t'as deux organismes qui s'occupent de la drogue, qui se foutent régulièrement sur la drogue, sur la terre. La police des frontières. Je sais plus. Non, mais je sais plus. Je vous redonnerai exactement. Oui, il y a deux services anti-drogue. Il y a un truc plus. C'est l'équivalent du service anti-drogue du LAPD et la DEA. Ouais, la DEA. Qui va couvrir plus de territoire pour le coup. Mais vu que c'est à Los Angeles, le service de Los Angeles va le récupérer. Vu qu'il y a le COPS va le récupérer. Et vu que c'est de la drogue et que c'est un gros de prise, le service national, fédéral, veut le récupérer. Et tout ce beau monde, veulent pas que ça soit le COPS aussi. Parce que le COPS, tu comprends. D'où l'idée de les emmerder tous. Hein. Ouais, les incompétents, ils ont quand même réussi à arrêter le mec qui faisait péter la ville dans tous les sens. On est un peu à la cause du fait qu'il ait commencé à le faire, mais c'est un point de détail. Ouais, mais ça. On va éviter d'en parler trop fort. Voilà, c'est ça. En fait, vous êtes la cause parce que vous avez fait bien votre travail, je rappelle, hein, quand même. Attends, il y a que ceux qui branlent rien, qui peuvent pas se planter. Hein. La preuve avec cette enquête. Encore une fois. Non, non, tu peux te planter parce que le mec du service d'à côté a pas voulu boire un café avec toi aussi. Hein. Ah, c'est possible. Ok. Vous rentrez au central. Bah oui. Une fois que le camion et toute la coke ont été mis sous scellé. Oui. Dans un coffre-fort à la banque, parce que j'ai toujours pas confiance dans les services de la police. La problématique se pose, c'est dans quel service doit-on entreposer, parce que la DEA dit que vu la taille de la drogue, ils ont des entrepôts pour ça, mais le service du LAPD dit, moi, eux, ça les concerne plus parce que c'est pas eux qui ont récupéré, mais d'un autre côté, ça devrait rentrer chez le LAPD. Donc on demande au premier enquêteur, les gars de la DEA te disent que vu la quantité, ça devrait être stocké dans leurs entrepôts à eux et pas au LAPD. Quelque part, je suis content de pas avoir cette enquête. Répondre. Hein Donc on est d'accord, les mecs qui m'ont envoyé me faire foutre quand j'aurais proposé une coopération sont en train de me lécher le cul pour avoir une coopération. Alors, ils te lèchent pas le cul. Ils te disent que juste, eux ont des entrepôts pour les stocker. Non, non, ils lèvent le pied, ils attendent que tu mettes ta gorge sous leur pied, en fait. Ouais, un peu on dirait. Hein, parce que ça veut dire qu'on aura plus accès à la drogue, ça veut dire qu'ils auront toutes les infos qu'ils veulent, parce qu'ils ont canalisé tout ça. Ouais, on a... Alors, vous avez déjà fait prélèvement. T'as qu'à séparer les lots. Hein. Qu'est-ce que tu fais, Max? Qu'est-ce que 50-50 c'est pas con, séparer les lots. Moi, j'avoue que ça me plaît bien. Bah, en fait, j'avoue que l'idée de faire 50-50... Après, dans l'absolu... De toute façon, tu sais que amener juste au service des profs plusieurs tonnes de cocaïne, ça va être relou, dans tous les cas, pour toi. Ouais, bah du coup, en fait, j'ai stocké une partie chez chacun d'eux, et puis garde le camion. Non, mais... si tu dois déplacer la coke, tu peux demander un coup de main à Denis, hein, il a le nez pour ça. Donc, bon bah tu veux parler. Hein. En gros, tu t'arranges avec eux. Ce qu'il y a, c'est qu'ils vont prendre une grosse partie et toi, tu t'en gardes un échantillon conséquent pour à la fois les tests et continuer à avoir des preuves, quoi. C'est ça. Après, clairement, ils te donnent les papiers, tu y as accès au truc. Hein. C'est ta prise. C'est juste que tu devras passer par leur service quand tu veux en avoir accès. Ils appellent pour eux une petite victoire. S'ils sont à ce point désespérés d'avoir une victoire que ça fait une victoire, bah dis donc, je suis un peu désespéré pour eux. Que... Ça, c'est que s'ils ont besoin de quelque chose, ils peuvent t'emmerder avec ça aussi. Ouais, oui, bah, ça, j'en doute pas une seule seconde. Voilà. Ok, bah, vous rentrez au central. C'est simple, vous passez la porte de l'open space, il y a le bureau d'Iron Man qui est ouvert juste en face, et il y avait une énorme fumée qui sort du bureau, et il vous fusille du regard tous les deux. Pas Lynn, pour le coup, qui n'est pas rentré au même moment, je pense.
Oui, moi je suis rentré un peu avant, je pense. Voilà. On va se engueuler. Ah, moi je prends la tête d'innocent. Enfin, est-ce que je sais faire une tête d'innocent? Bah, ouais, en fait, t'essayes et t'as l'impression de te faire tirer dessus par Iron Man. Bah, moi je vais le voir, du coup. Le meilleur moyen de résoudre ça, c'est de. Ok, tous les deux, explication. C'est alors, quoi cette journée? Je veux une explication aussi, j'avoue. Alors, sur quel truc? Le fait que mon coéquipier m'ait tiré dessus? Le fait qu'on a arrêté un type qui essayait de tuer un food truck? Ou le alors, il travaille. Attends. Vous lui avez tiré dessus, il s'adresse de Max à... Max a un énorme soupir. Alors, non. Non. Ah bah si. Ah bah si. On a... Laisse-moi finir. C'est un merde, quoi. J'en avais plus à parler, quoi. Excusez-moi. Vas-y, parle. Bref. J'ai tiré sur le suspect qui était en train de menacer mon collègue. Et malheureusement, la balle a traversé et a touché le gilet pare-balles de mon collègue. Elle n'a pas traversé. J'ai un hématome. Alors, il te dit, vous avez été blessé. Bah, j'ai un hématome. Ouais. Donc, et sinon, le reste de la journée? Et ensuite, pendant le reste de notre patrouille, nous avons continué à patrouiller normalement. Et nous sommes tombés sur une ligne blanche, en fait, sur un attroupement au milieu de la route. Nous avons fait six, la ligne blanche qu'on a appelé des collègues, qu'on a suivi, Tu fais le tour. Et les mails assassins des deux services anti-drogue. Ah bah ça c'est... Enfin bon, je te laisse répondre, Max, c'est toi le premier enquêteur, mais c'est des gros connards. Pourquoi est-ce que chaque fois que tu me demandes d'expliquer un truc, tu me mines juste derrière, quoi? C'est mort. C'est vrai, quoi, c'est des gros connards, clairement. En gros, une fois qu'on a réglé l'intercalation et qu'on a récupéré, enfin, qu'on a le contrôle de la situation, les deux équipes se sont ramenées en disant « De toute façon, les cops, vous êtes des branleurs et des incompétents, on est les seuls capables de le faire, on prend l'affaire. » Ok. Chacun son possible, que j'ai dit qu'on prenait l'affaire. Parce qu'au bout d'un moment, ils nous ont énervés. Alors, deux choses. La première, c'est que vous allez me résoudre cette affaire. Et c'est... Voilà. Et une fois que vous avez tous les éléments pour les arrestations, vous allez leur faire un gentil mail pour qu'ils puissent venir à l'arrestation et se gausser d'avoir aidé. Alors... Pour information, j'ai proposé une coopération, ils m'ont tous les deux dit en cœur et en simultané, Niette, c'est mort. Oui, mais ils diront pas non si t'as tous les éléments. Et surtout, ça va permettre d'apaiser un petit peu la prochaine fois qu'on a besoin d'informations de leur part. Parce que vu ce que je dis et ce que j'ai dans les mails là, c'est pas dit qu'on puisse rebosser d'ici quelques mois ou quelques années avec eux là. En même temps, c'est eux qui ont commencé. En même temps, s'ils avaient fait leur travail avant, le message est bien passé. Centre-ville, hein. A priori, vous êtes sûr que vous avez touché au gilet pare-balles parce que ça a l'air d'être la tête qui est touchée là. Alors, j'ai un doute depuis ce matin, j'avoue. Alors, vous allez aussi tous les deux me passer une visite médicale et une prise de sang. Oui. Non, c'est pas une bonne idée ça. Non mais en fait ça va vachement mieux hein. Clairement non mais c'est qu'un simple hématome. Ni de discussion. Bon bah vous sortez du bureau d'Iron Man. Et bah ça s'est pas si mal passé non. T'entends Max qui part dans un rire nerveux genre mais putain j'en peux plus, suicidez-moi. Je souffre. Bon, bah, on va descendre à la visite médicale, du coup. Ouais, tu connaîtrais pas quelqu'un qui pourrait me prêter son sang et qui soit AB négatif par hasard, parce que je te signale que j'ai un peu déterminé que c'était de la coke à la base. Hein. Bah, tu me diras. Avec police en même temps. Avec toute la coke qui a volé dans tous les sens.
Ouais, il est peut-être possible qu'en effet il y ait des traces de coke et ça peut parfaitement, ça peut s'expliquer. Ouais, ça peut s'expliquer. Hein, ça peut s'expliquer, Max. Ça peut forcément s'expliquer. Tais-toi! Tais-toi! Arrête de parler! Arrête de parler! Juste, Bon, je lui, pense pendant que. ce temps, t'assistes à la scène depuis ton bureau. Ouais. T'as des Ah nouvelles putain! de Nice qui est à l'hôpital et qui est posé, qui en gros qui est shooté, qui est en dégrisement, quoi. Y a une idée de combien de temps ça va mettre pour sortir? Le lendemain, il pourra ressortir. Bon, moi je vais faire l'interrogatoire de la nana. Hein. Qu'est-ce que tu lui demandes en gros? Parce que pour le coup, il n'y a pas grand-chose à en tirer, donc. Bah, en gros, bah, enfin, en gros, c'est savoir s'il y a eu d'autres crimes, en fait. Si elle revendique d'autres victimes, en fait, que les deux qu'on connaît. Et savoir d'où elle vient, en fait, qui elle est Ok. vraiment. Voilà. Alors déjà la première chose c'est clairement ouais bah tu vois clairement que entre l'ADN et tout bon si vous aviez déjà a priori elle est pas référencée en Californie. Clairement pendant l'interrogatoire fais-moi le jet de ton interrogatoire parce que je vais le faire en roleplay pour le coup. Je serais plutôt en. Bah, essayez de la faire parler en mode vous êtes forte etc. Ouais, c'est un peu cette idée-là. C'était Ouais un ouais. peu. Donnez-moi vos succès, quoi, un peu, tu vois. Oui, bah Ouais. je me doute bien. À moins que tu fasses un jet pourri, en fait, je pensais bien que tu partirais là-dessus. C'est un peu cette approche-là. Voilà. On va être sport, on va pas faire le jet de psychologie, mais. Tac, tac, tac. Alors, tu m'as dit. Donc En là, fait, c'est. d'interrogatoire. Oui, sang-froid, interrogatoire, donc. Voilà. Ok, je le sens. 5 succès. Ok. Clairement, ton interrogatoire se passe plutôt bien dans le sens où bah, tu es une femme. Hein. Ça aurait été un mec, t'aurais pas eu les mêmes effets. Et pour le coup, clairement, tu comprends plusieurs choses. La première, c'est qu'elle aime bien pour tuer les hommes, qu'elle a aucun souci à en parler. Et clairement, elle se voit comme une féministe. D'accord. Mais voilà. Mais en dehors de ça, c'est surtout que ouais, elle va te dire que elle est fière en fait que chaque mois il y en a, y a un homme qu'elle pouvait contrôler complètement et voilà. En gros, tu déduis que tous les mois, elle a tué quelqu'un en fait. Hein. Mais elle te dira pas qui. Et tous les mois, depuis combien de temps, en fait? Parce que. T'apprends aussi que elle est rentrée clandestinement et qu'avant elle était aux États-Unis. Ouais. Et que ah, c'est pas de façon directe, mais clairement, elle a déjà été. T'es pas la première personne à l'avoir arrêtée aux États-Unis. A priori, elle a déjà été arrêtée. Et puis, on l'a aidée à partir, quoi. Ailleurs, dans un autre pays. Ah d'accord. Ils nous ont refourgué leur poubelle, quoi. Tu le comprends comme ça, hein, clairement. Ok. Alors, ce truc-là ne sera jamais recevable dans aucun tribunal ni Ouais, quoi que ce soit, bah mais voilà. Par contre, mais je. bon, elle n'affirmera pas qu'elle a tué les gens que tu l'accuses, mais elle a aucun problème à dire que, ouais, de toute façon, c'était des connards. Enfin, t'arrives plus ou moins à la coincer t'arriveras pas à avoir des aveux proprement signés et tout, mais clairement, ouais, elle a aucun problème avec Et ça. du coup, pour la prostituée, c'était pas un homme, je veux dire. Non, mais elle s'en fout, c'est pas. D'accord. Et en même temps, Il c'était pas y, y a vous la les coups. chaise électrique, enfin, ou l'injection. Ouais, oui, bon, Ok. elle est complètement candidate à la peine de mort, là. Hein. Oui, bah, ça va être un peu l'idée. Hein. T'as le droit de demander l'avis de l'enquêteur principal au téléphone en même temps, si t'as envie. Bah, je pense qu'on en discutera quand il sera de retour, mais. Bah, tu peux le faire maintenant, en fait, comme ça, on boucle l'enquête complètement. D'accord. Bah, Denis. Je sais pas Bah, s'il est en elle a état. avoué. Non mais là Bon, c'est même hors de son état, c'est. Bah, on a suffisamment de preuves et tout. Ah, Tu veux complètement. qu'on fasse un rapport pour l'envoyer à la peine de mort ou pas? Bah oui, ce sera mieux. On peut même pas. En fait, le truc, c'est qu'on peut même pas la renvoyer aux États-Unis. Les États-Unis vont nous la renvoyer, donc. Et puis, officiellement, elle te le dit, mais t'as aucune preuve réelle que c'est une citoyenne US. Hein.
ils vont pas l'accepter. Tu connais toujours pas, vous connaissez toujours pas son nom et prénom. Hein. Ouais. Bah, de toute façon, c'est pas très grave. Les États-Unis, on peut buter, on peut cramer nos poubelles sans eux. Mais le déchet, quoi. Bah, clairement. Mais voilà, du coup, bah, t'es d'accord, hein, je fais le rapport et puis on en parle plus. Hein, oui, on fait le rapport. Ouais. So, si on n'a pas d'identité, elle pourra toujours dire qu'elle n'est pas américaine et puis okay. Voilà, donc on va la buter nous. L'autre question qui se pose, c'est qu'est-ce que vous dites au mec de la. Ah oui. Eh ben, pour le coup, je vais lui dire la vérité en fait. Je vais lui présenter ce qui s'est passé, les meurtres, les machins, enfin en gros. Ouais, alors sans forcément ouais. relever des faits de l'enquête, des détails morbides quoi, mais en gros, lui dire qu'elle c'est une tueuse en série, qu'elle a tué plusieurs hommes déjà, okay. et qu'il était probablement le prochain sur la liste, et qu'on n'a pas voulu lui révéler ça parce qu'on n'avait pas envie qu'il ait trop peur. Et que dans la panique, il puisse peut-être faire une bêtise en la prévenant de façon un peu indirecte quoi, ou involontaire. Et voilà, et du coup, on s'excuse, mais qu'on a préféré mettre ça en place pour faire passer ça plus facilement. Et la question qui forcément s'enchaîne derrière, c'est est-ce qu'il est cité dans le rapport ? Non. Non. Ah, parce que sinon, il est appelé à témoigner. Ouais. Bah, non. Par contre, s'il veut en être vraiment certain, il peut faire un... Il peut faire un petit don de 100 000 $ sur un compte offshore, voilà. Mais pour les bonnes œuvres de la police, hein. Mais non, je plaisante. Mais... Alors il y aura réellement un bonus d'ici quelques scénarios de sa part, mais c'est dans quelques scénarios. Ah d'accord. Voilà, mais je lui dis que non, on a pas besoin de le mettre dans le dossier pour incriminer elle. Voilà, mais autant potentiellement, ça m'intéresserait d'avoir quand même une discussion avec lui sur les détails qu'il peut se rappeler par rapport à elle. Oui, bah. Mais c'est pas quelque chose qui va nourrir le dossier. Il le fera de façon privée avec vous ouais. Deux, et puis pas de soucis là-dessus. Mais tant qu'il est pas cité, que sa femme est pas au courant et tout, lui pour lui c'est bon. Ça, y a pas de problème. Et il y aura sûrement un retour d'ascenseur. Oui oui. Ok. Et bah on va s'arrêter là pour ce soir. Ok. Ça me va. L'équipe tueur. Ok. C'était une journée. Cette inspiration épuisante. Était louche. C'est la journée de la chenouf en fait, mais bon. C'était une journée. Une journée blanche. Ouais, j'envoie le générique. Okay. Au revoir les gens. Abonnez-vous, tout ça. Prenez de la drogue. Prenez pas de drogue. non, clairement non. Bah, si elle est légale, au plaisir, hein, mais. Prenez des bonbons. Voilà. Voilà. Prenez les bonbons, Emile.